Faire tac, J'ai pas tac. compris, Parce que... je sais pas, parce qu'ils sont tous en vocal et tout, tu vois là-bas. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas grave, on peut faire le truc de l'autre côté aussi, hein. Dis-le si Ouais. je t'emmerde. Tu sais quoi? Au pire, si juste pour tester, on va mettre un nom à la con. Tu veux, moi j'ai Il va mis, tu veux mon s'appeler nom, moi j'ai mis. Wallace Ah, mais ton nom est fait, tu veux Anthony dire. Butch. Je crois que c'est... Je dis un truc à la con, mais je crois que c'est mon nom Je crois que c'est même plus comment le mien RP. s'appelle, alors attends. Ça fait un peu de temps, alors. Il est où mon casting? On va l'appeler... Putain, hey, tu... hey. Non, c'est Jet. Denis. Non, pas Denis. C'est Jet Carson. Pression. Blaze. Hop, ça y est, on est enfin lancé. Putain, on va y arriver, hein. Will Smith. Voilà, ce sera Will Smith. Will Je me suis Smith. pété. Ça me fait Will Smith. Hey, t'as raconté Corentin qu'on a dû se raser la barbière? Putain, hier ce débile là il fait un. Il a. Bah, mon livre il parie en mode ouais, super pile ou face, tu te rases, j'ai perdu. Bah, j'ai. Toi, tu gardes que la moustache, j'ai perdu. J'ai envoyé le reverse, il a perdu. Du coup, tous les deux on est en mode full moustache et y a un pote. C'est lui qui avait la plus longue barbe en plus. On lui a rasé toute la barbe, sauf on lui a laissé que le bouc et la moustache et tu sais le raccord, tu vois. Ouais. Et là, du coup, je ressemble à rien. Là, ça fout de ma gueule au boulot lundi. Ressemble à un petit bébé de 5 ans. Vu que j'ai la moustache, ça va encore, mais je ressemble un peu à un gamin. Oh putain, t'as laissé la moustache, c'est terrible. Mes personnages. Jet Carson. Yo, man, I'm in. Moi, Je suis je clique sur mes personnages, il se passe rien, toi aussi. Ah, moi, j'ai pas le problème. Oh, le son de jeu, il est très fort. Je clique sur slot vide, il se passe rien. Quand est-ce que je fais mon skin? Ah ouais, c'est là. Oh non, pas les systèmes d'héritage. Putain, je déteste ça. Je pense que je suis bon pour relancer le serve. Je pense que j'ai un bug. C'est normal, c'est Pitié, une démo technique, on n'oublie pas. tout sauf les systèmes d'héritage. C'est nul. T'es mal à te déformer de Ah putain, c'est pas celui-là. ça que je voulais. Wesh. Il a un long cou, hein. Au pire, on va mettre 0 et 0. On va ressembler à tout le monde. Et ça, c'est la classe. Po. Oh non, mais vous avez mis un système d'héritage partout! L'héritage sur la peau, j'avoue que c'est assez horrible. Jack sur le reste, c'est pas. J'aime pas trop, mais. Putain, Une non. récupération des données. Tant que la mer elle change rien, j'ai l'impression. Moi, je suis bloqué, hein. Je peux vraiment pas jouer au jeu en fait. La mer elle change rien. Je vais envoyer un screen sur le Discord. J'espère que je suis pas le seul. Ressemblera à ça. Visage. Il se passe rien. Toi non plus. Bon. Ok. Caractéristiques du visage. Alors pourquoi faire le système d'héritage si au final on peut faire tout ça? Toi qui. Ça, on s'en fout. Apparence, style. Ah, les cheveux. Directement le Juste quand t'as eu ton truc là, mes 94. personnages, information personnage, t'as juste cliqué sur slot vide. Pardon? T'as juste cliqué sur slot vide. Sûrement. Parce qu'il se passe rien moi. C'est con. Ça me change de perso, c'est tout. C'est con, c'est con. Bah, c'est pas cool. Wesh. Ah, c'est bien ça. Moi je veux Ah, jouer au jeu j'aime en bien. fait. Voilà, ça fait du bien quand on entend plus les PNJ par contre, si je le sens à fond. Je peux Ouais, moi aussi, pas accéder au menu c'est échappe. Potentiation, ma fallait me forcer le vulgarité. render, hein. Ah, ok. Vas-y, ressent 3, on extraterrestre, ça me casse les couilles. Envoie une invitation pour ton stream. Je te l'envoie tout à l'heure. Ouais, mais je crois que je l'ai plus. Cool. So how about a rematch soon? You Oh were on putain, fire the faut other que je lance mon fire. C'est sur stream, on va parler de ça.
Sunday works for me. Hi. Morning would be ideal. Hey, écoute, ça veut pas. Attends, mais peut-être vu que j'ai dû relancer mon stream, peut-être c'est cassé. Vas-y. Je vais te la renvoyer. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune notification en plus. Demande. Ajouter des invités. Récent. Viry. Juste un favori. Envoie l'invitation. C'est trop les couilles. Je pense qu'il ressemble à un martien, laissez-moi. Putain, quel enfer. Ouais, comme ça, ça va. Ah non, ça c'était bien ça. Oh putain, c'est trop moche. Texture. Comment ça, texture? Ah, dégradé. Dégradé ta peur. Les cheveux de couleur blanche. Ouais. Plutôt. Après, je t'ai invité si tu viens pas, voilà. Hein. Ouais, pardon. m'informer de mes followers quand je sors en live. Alors. Tant qu'inviter sur la stream de Lats. Oui, c'est ça, parce que vu que moi j'ai mon jeu en. J'ai mon PC en 1440, ça marche pas. Pourquoi il me demande de mettre. Et à la fois mon micro, et à la fois. Je sais pas, moi j'ai muté mon micro sur le. Je sais pas du tout comment ça marche. Préparation en cours. Continuer sans la caméra, entrer en coulisses. Voilà, c'est bon, on a fait une squad. Faire apparaître sur mon stream. Oui, retransmettre l'invité. J'ai mute. J'ai très peur. Je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas quoi. Mais non, mais là je live sur ton truc à toi. Hein. Mais moi j'ai le. Non, parce que je vois pas ton stream, mais je sais pas. Je sais pas non plus. Retirer du stream. Hein ? Aperçu du résultat du stream. Et tu sais quoi ? Viens, on fera ça une prochaine fois. Ouais, viens, t'inquiète. Hein. Vas-y, raccroche là. On a fait un stream ensemble, c'est bon, ça dégage. Mes personnages. Ah voilà, c'est bon, ouais, du coup ça marche. Prénom. Jet. Privé. Salaud. Nationalité américain. Ah, y'a pas American sourcil, mais faut chercher. Des bons gros sourcils comme ça, j'aime bien. Mais j'aime bien. C'est US ou. Ouais, c'est US, c'est pas américain, c'est pour ça. Moi, j'ai mis Afghanistan, c'est un test. Et je viens du Honduras. Genre homme, né en 2023, bien sûr. Y'a pas tes yeux normaux. Oula, j'ai fait mettre que je suis né en 2072. Stylé. Allez, je suis né en 76, j'en sais rien. Comme t'as dit, c'est un test, au pire c'est pas grave. Comment on change la couleur des yeux aussi? Où voulez-vous commencer? Hein? T'as commencé où toi? Hein? Plaza quelque chose. Ok, fantastique Plaza. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, putain. Ça c'est pas ça la couleur des yeux. Voilà. Ça c'est la couleur des sourcils. Alors, héritage. Voilà. Putain, je comprends que dalle. Oh vas-y, ça me gonfle. À part si c'est là-dessus. C'est pour le tourner. Pourquoi je veux pas de maquillage. C'est ça que je veux. Pourquoi dans couleur des yeux? Ah, peut-être parce que c'est que des trucs prédéfinis. Ah oui, la mer ça fait que les. Ouais, les rides quoi. Vous êtes sélectionné pour. Ah non, c'est que j'ai pas de mix. Ouais, j'ai un connard aussi. Bah, déjà, je vais y mettre les cheveux. Je pense que ça va m'aider. Si je mets des cheveux. Pas compris. Blush, lipstick, barbe, oui, mais pas cette coupe. Ça, j'aime bien, moi. Tac. Un peu plus sombre. Un petit peu plus caché. Voilà. Oh, la dégaine. Vieillissement. Un petit peu, mais pas beaucoup. Complexion. C'est quoi, complexion? C'est plus c'est dur, plus c'est bon. Mais gros, il y a un milliard de trucs. Poils sur le torse. Est-ce que déjà, on peut se mettre torse nu? Incroyable. On s'en fout des poils sur le torse. Non merde. Dégradé. Merde. Le 125, ça fait quoi? Allez. Comment je reviens sur une vue globale? Merci votre salaire, oh. Super. Oh, je suis riche. 1 010 000. Texture. Voilà la texture.
Ah bah j'en ai 0 sur 0, je peux m'amuser longtemps à cliquer. Non mais des fois tu sais faut pas chercher hein. T-shirt. Oh. Alors attends. Ah lui il m'a l'air pas trop. Ouais non il y a vraiment une quête de quoi. J'enlève le t-shirt de base. Je vais passer plus de temps sur mon perso, le serveur fermé, je suis encore sur mon perso. les gars, merci d'avoir testé. Ah bon? Déjà? Oula, peau, non, bah non. Pardonnez, mais. À poil. Ah non, mais. Oh, attends, comment attends. On gère les deux sous t-shirts, celle-là, non? Ouais, la mer, elle change rien vu que j'ai mis mix. Oula, body mais... armor. Non. Haut du corps. Je comprends rien. Je comprends rien. Pourtant j'ai l'habitude. Ouais c'est ça, pourtant c'est pas la première fois de ces conflits. C'est un... Les vêtements... Je vais mettre un peu de bronzage ça, quand okay, même. Attends. On va faire simple. Déjà comment je cache le t-shirt de base? En faisons changeant étape par étape. Peut-être. On va faire comme ça, on va pas s'emmerder. Ethnie. Ok. Bah, je crois que c'était déjà la peau ça. Ethnie ça change rien. Ah si non, putain. Ouah si si quand tu prends la mer là, waouh. Waouh waouh. Moi personnellement la mer faisait rien. Ah bah moi dès que je fais mix, mélange vers la mer là, waouh. Mélange vers la mer. Non mais je me comprends, t'inquiète. Carastérique. Ouh oula. Carastérique. En fait on peut pas cacher les vêtements. Ils ont pas les... Ouais, les caractéristiques du visage, j'avoue, je vais pas m'occuper là-dedans pendant 20 ans pour rien. Parce que le 1, ok. Cheveux. Si le 1, je vais le cacher, je fais comment? Couleur des yeux. Pourquoi alors, pourquoi tout le reste, ils ont mis une palette? Sur couleur des yeux, ils ont pas mis une palette. Je sais pas. Quoi, les frérots là? Bon, et tu sais quoi, il aura. Non, mais j'essaie de voir les endroits à modifier, tu vois. Mais putain! Moi, je suis en mode bêta-testeur là. Moi je suis plutôt en... C'est plutôt bête que testeur. Mais... Perfection corporelle, non, style peut-être. Donc, ouais mais gros, des sourcils t'as peur hein. Qui ça? Moi. Wesh, ma stache mon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Petite cicatrice dans le sourcil là, j'adore. Wesh, ma barbe et tout, elle est partie en couille. Couleur des yeux, ouah tu peux avoir des yeux roses mais je suis trop en dark sasuk. Barbe... Elle est passée où le rose de ma barbe? Ouais y'a des yeux des enfers. Faut enlever ça hein. Marron foncé, voilà très bien. Maquillage. Ah, c'est peut-être Imperfection qui fait ça, non? Maquillage, mais. Non. Tu t'es maquillé, ça. Toi, hein? Non. Non mais pourquoi j'ai une moustache, putain? Tu peux mettre du blush. Mais attends, je vais appeler ma meuf, hein, parce que là, tout ça, moi, ça me connaît pas. Hein. Pourquoi j'ai une moustache? Je ne veux pas de moustache, putain, au secours. C'est où la moustache? La moustache est dans barbe. Blush, maquillage, sourcil. C'est dans barbe, ouais. Barbe. Pourquoi j'ai une moustache? C'est dans barbe. Ah oui. Attends. Tu viens de le dire, à 3 secondes t'as dit c'est dans barbe. Hein. Et après t'as fait ah. Ah putain merci. Imperfection aucune, moi je suis parfait. Wow. Poil au torse, un peu, mais je les vois pas donc j'en sais rien. Vêtements. Oh là! Premier truc, c'est un truc de cochon. Mais c'est des masques, on va pas mettre un masque. Chaîne. Ouais, mais laissez-moi enlever ce t-shirt, s'il vous plaît. Pas du corps, là. C'est dur. Et ouais, tu peux pas enlever le... Enlever le t-shirt de base, comme tu disais. Non, tu peux pas. J'ai essayé. Je pense que c'est après, tu peux, mais... Au début, c'est un peu con, quoi. T'as essayé en modifiant tout? En fait, ouais, mais je suis bloqué. Moi. Genre. On passera dessus. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Dézoom. Ah si! Tu vois le petit logo en dessous de la caméra là? Un petit logo en dessous de la caméra. Oui. T'as un menu déroulant, tu cliques sur le t-shirt là. Oui, pour lui enlever le t-shirt. Ouais, mais au moins tu peux voir ce que tu mets par-dessus. Ah.
Attends, si ça c'est du génie. Non, parce que y a quand même le corps qui rentre dans certains vêtements. Oui, bon, bah après, Révi. Hein. Je t'ai proposé une solution. Ouais, non, je. Il aura de son t-shirt de base, ça lui va bien, de toute façon. Ouais, je vais garder son t-shirt de base aussi, et puis je pense qu'après, on pourra modifier. Putain, je vais pas au secours. Mais y a pas de vue pantalon. Mais toi, enlève toutes les vues d'en haut. Et comme ça, tu vas le pantalon. Je fais comment? Ah, ok, putain, bien vu. Bien vu, bien vu. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Je te jure. Putain, qu'est-ce qu'il est moche, mon perso, bordel. C'est incroyable. Je vais regarder. Tourne-toi là, s'il te plaît. Ok, c'est bon, on voit pas à travers. Ça fera. Bon, on voit pas à travers un endroit, mais ça, on verra plus tard. Et petites choses. Ah si, haut du corps, mais modifié. Haut du corps, si tu veux que tes bras et tout disparaissent. Tu vois ça où? Non, haut du corps, vraiment, c'est. Haut du corps, tu peux enlever des parties pour que ça. Putain. Ok. Ouais, bah, il y aura quand même le t-shirt de base. Hein. Oui, bon, il y a quand même le t-shirt de base. Hein. Trop la flemme. Mais non, on a dit qu'on mettait ça, putain, je suis trop con. Ça, c'est bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Et les chaussures. Moi, pour l'instant, c'est Inspecteur Gadget, mon perso. Props, chapeau. Chaussures. Ah, les tatouages, ouais, mais tatouages. Non, je verrai plus tard ça, hein. Vu que je les vois pas, c'est un coiffe, une connerie. Ah, c'est même pas les tatouages, c'est les petits écussons, tout ça. Chapeau et casque. Non, mais là, on a. On peut pas mettre de chapeau pour l'instant. Lunettes. Lunettes, oui. Bon, il faut toujours les fameuses. Parce que vu ma gueule, il faut mieux des lunettes, je te le dis. Peu importe le perso RP que je joue. Les lunettes, c'est la marque de fabrique. Ah voilà, elles sont là. Bah. Voilà. Moi je crois qu'il n'y a pas celle que j'aime bien. Les lunettes sur le front. Accessoires d'oreille. Non. Montre, non. Ah putain, si, il y a les lunettes derrière. Let's go, il y a ce que je voulais. Oui, elles sont là. Les lunettes à l'envers là. Moi c'est ça. Moi c'est à l'avant. C'est sur le front. Ouais. Tatou, je vais pas me foutre à poil ce soir. Ah bon? Non, non, non. Bah, je vais arrêter de jouer, hein. Une fois que tout ça c'est bon, on fait quoi? Tu fais la petite sauvegarde, j'imagine. Ah oui. Tu resteras moche. Ouais, super. Oh non, j'ai plus toutes mes touches. Et ouais, moi aussi, fort. Touche, touche. Alors déjà on va toucher aux paramètres graphiques. Tatou. Tatou, on a dit qu'on oubliait, on save. Ouah non non non, on save pas, il a des boucles d'oreilles, fils de pute. Pardonnez pour le vocabulaire, mais c'était pas prévu, elles sont apparues comme ça, là. Sans prévenir. C'était PNJ, as always. Bah. Ça hop, ça hop. Oh je sais, tu resteras moche. Hop là. Salut, je suis moche. Oh là, y'a un mec dans mon appart. Ouais, mais c'est moi. Oh le tien est vraiment moche alors. Je veux te faire voir, oui. Chat vocal. C'est le chat vocal, c'est les touches du jeu, tu penses? On va le tenter. Je sais pas. Format d'image, ombre, shell. Parler avec. Ah, ah. Activé par la voix, non, appuyer pour parler. Chat vocal. Ah ah ah. Ah ah. C'est quoi ma touche? Je fais ah ah, y'a pas de son. Il faut mettre ça dans cette TPNG au minimum. C'est déjà fait. Bon, c'était moi, c'est une question à la base. Ah. Oui. Ah. Bonny. Putain, ça marche pas. On va faire comme ça sera plus simple.
Ça c'est bon. Ensuite, Clavier configuration souris. des touches. Cette pièce, c'est bon, sprinter. Hop. Ensuite. Save, ah c'est là. Abandonne. Ah, activer le flash, afficher la souris, afficher le chat. Allumer le moteur et récupérer les clés. Oh putain, il va falloir retenir des touches. Appuyer pour parler. Hop. Tu l'as où l'appui pour parler? Ah, c'est dans le GTA Online. Blablabla. Putain, pas entendu. Ah. J'entends pas. Ah. Ouais, mais même le jeu détectait pas mon. Mais j'ai toujours eu le problème, ça. Peu importe. J'ai la souris. Pourquoi ça fait ça? Puis le chat et le moteur. Ah, peut-être parce que j'ai pas la même sensibilité. Yo la team! Moi c'est bon. Putain, pourquoi tout ça marche? Je sais pas comment tu changes la range par contre. Faut regarder dans. Pourquoi tout ça marche et pas moi? Je sais pas bébé. T'as mis bien dans le chat vocal, dans paramètres chat vocal, t'as bien mis ton micro. Et en appui pour parler, t'as mis. Dans. Ouais, j'ai mis appuyé pour parler, ouais. T'as bien mis ton bon micro, t'as bien. Ouais, attention, j'en ai. Non mais je sais pas. Hein. Ah putain, mais peut-être qu'il m'a mis sur sur ma table de son et pas sur. Enfin, pas la table de son, mais la fosse. Enfin, longue histoire, putain. Cancel current emote, crawl. Fermez tous les menus, fermez un menu. Levez les mains. Ouais, heureusement que tu m'as pas frappé, hein. Je sais pas comment on change la range. Je sais pas du tout. Appuyez pour parler, ouais, mais c'est bon. Bon, c'est pas grave. On criera pas. Ouais. Parle pour voir. Merde! Mais je vais t'enculer, hein. C'est la mauvaise touche. Putain, état de santé, trace de coups de poing, merci, hein. Comment je ramasse mes lunettes, moi, maintenant? Tu la ramasses pas. Je sais pas les touches, je sais pas c'est quoi les touches pour remettre ses vêtements, alors. F1. F1 personnel, interaction, donner son numéro, monter, coffre, vendre drogue. Oh merde! Limette. Ouais! Le F1 il marche attends, pas! Moi, je me dis pour ça. Ah, pour F1. la peine, je vais te faire un petit. Hop là! Je te vois pas, je te regarde même pas. Je regarde de l'autre côté. Closing. C'est quoi la touche? C'est X pour arrêter de faire les emotes. On vient, on sort. Mais attends, j'essaie de remettre mes lunettes là avec tes conneries. Ouvrir la porte. Il y a personne à la porte. Ok, je veux sortir. Oh putain, quel enfer GTA! Mais le menu circulaire, moi, il est full bug, hein. Je sais pas toi, mais. Non, mais ça. Tu restes appuyé ou t'as plus qu'une fois? Par contre, pourquoi je cours tout le temps? T'as mis quoi comme touche pour courir? T'as mis Z? Non, non, non. Attends, je passe le son du jeu, gros, c'est un enfer. Wesh! Ah, mon ref. Putain, je peux pas parler en jeu, ça me saoule. Ah. Non, je t'entends pas. Non, bah, je sais bien que tu m'entends pas, ça saoule. Du coup, taxi! On a pas de téléphone? Je pense pas, non. Ah, ça c'est les emotes, ok. Ils avaient dit halt aussi en touche importante, ok. Donner de l'argent, eh, c'est important ça! Ouais, Alt en fait c'est le truc. Non, mais Alt a tout le truc d'interaction, non, tu vois. Casque, bien. Je pense. Vole la picanto je sais là-bas. Pas là. Je sais pas qui c'est qui s'amuse avec les. Oh putain, on peut pas voler. Et est-ce qu'on peut braquer? Mais t'as quoi braquer toi? Non, mais est-ce qu'on peut, tu vois, le monsieur lui dire gentiment. Non, mais c'est pas sauvert, c'est pas sauvert. Intercept, intercept! Prends celle derrière, celle-là elle est moche, j'aime pas. Vas-y. Bonjour madame, c'est la police? Eh ben c'est pas la police. Madame. S'il vous plaît madame. Attends, deuxième tentative. Bah, attends, parce que là c'est vraiment la mort du RP. Et attends, il y a une voiture de flic, c'est pas nous hein. Nous on veut être flic justement. Il y a un flic là. Toi, tu peux même pas parler dans le jeu, qu'est-ce que tu vas RP? Mais toi, mais on s'en fout de toute façon. C'est moi qui vais parler pour lui. Toi. Bah oui.
Tu lui dis que je suis muet. Pierre, vole-lui sa caisse. Viens, on lui vole sa caisse. On fait mine de rien et après on lui vole. Et bonsoir! Oh putain, il l'a fermé. Et bonsoir! Ah. Pas bon, pas bonsoir, c'est bon. Bonsoir. C'est Wakiza, je crois. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à faire quelque chose. Faites un tour sur vous-même, allez-y. Ah. C'est une bonne nouvelle déjà. Ouais, je pense qu'il a le même problème que moi. Bon, bah. Ouais, je pense. Quand vous serez décidé. Hein. C'est bon là, il parle. Je vous attends. Il parle. Hein. Il parle pas là. Si, il parle. Tu l'entends? Bah, il parlait il y a 2 secondes. Hein. Moi, j'entends pas. Hein. Si, il a parlé. Il a fait passer une bonne journée ou je sais pas quoi là. Mais c'est pas du tout lui. Et c'est qui alors? Pose-lui une question, tu vas voir. Attendez, elle a parlé pour voir? Ouais. Ah c'est bon. Tu vois? Ah bah oui. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Même là. Parce que j'avais mis le volume chat vocal à 0. Ah c'est beaucoup mieux, ouais, effectivement. Vous, en fait. Ah pardon? Le problème il venait de vous en fait. Ah c'est peut-être bien possible. Hein c'est bien. Dites-moi, vous êtes à jour mon bon monsieur? Ouais, je suis à jour, ouais. Ah bah ça c'est tant mieux parce que je viens d'une autre ville là et pareil. Je me suis dit qu'ici il y a peut-être une opportunité de carrière hein, dans la police. Ouais, du coup, vous voulez voir les petites mécaniques du métier, c'est ça? Exactement, vous avez tout compris. Avec mon ami, là, juste là. Ah, très bien. Et il est sourd ou aveugle, celui-là? Non, muet. Ouais, il est sourd. Il est muet aussi. Ouais, mais il vous entend, vous inquiétez pas. C'est vrai, il m'entend. Ouais, il vous entend. Très gueule de gagnant, tu sais. Allez, viens avec moi. Alors, on y va. Je vous suis. On doit le suivre pour quoi? Ouais, il va nous montrer un peu les ficelles du métier, apparemment. Ah, c'est un beau commissariat que vous avez là, dis donc. Ouais, c'est tout neuf. Ah, putain, je vois ça, hein. Ah putain, nous dans le Texas, c'est pas ça, je vous le dis. Sachez que vous pouvez vous servir d'un petit café juste là. Ah bah, vous savez quoi, je vais pas me priver. Allez-y. Et puis c'est quoi la touche? Prenez un petit café là, c'est possible. Hein. Je crois que c'est 1$. J'arrive pas à le prendre le café. Concentrez-vous bien avec votre œil. C'est halt. Oui, ça marche pas. Ouais, attendez, je chope juste une pièce dans le manteau. Allez-y. Ouais, mais ça marche pas. Ah, mais. Pire. Je veux vraiment que donner de l'argent. Ah non, c'est bon. Pète notre soirée. Ah, un petit café. J'ai pris petit café. Quoi, oh, putain. Pourquoi t'avais un gâteau? Bon, allez, suivez-moi. Les emotes. Ah, je vous suis. Ah, voilà. Le menu, oh, café, putain, le menu café apparaissait pas. Bon, bah, ça sera un croissant. T'as un croissant là? Oui, je suis en train de manger un croissant. Il est bon ton croissant. Il s'appelle comment déjà? Là sur. Voilà. Non. Pas, faut que je me mette bien. Non, bah allez-y, allez-y, installez-vous, hein, vous êtes chez vous. Hein. Je suis en salle. Attends, ouais, vous êtes vraiment bien là. Ah ouais, je suis vraiment bien. Ouais, attendez, parce qu'il y a des choses qui ont changé, j'ai plus l'habitude. Hop. Putain, je m'appelle. Prenez tout votre temps. Ah, comme vous dites, hein, c'est des nouveaux locaux, donc attentif. Ouais, voilà, il y a des petits trucs que j'ai... Attends, bouge pas pour voir. Attendez, bougez pas, je vais passer un coup de fil. Allez-y, allez-y, passez un coup de fil, on vous attend. Oh putain, attends, bouge pas, je suis en train de galérer. Je bouge pas, il passe un coup de fil. Personnel, voilà, interaction, voler. Et, mais, je peux te voler? Mais vole-moi, je t'encule. Ah putain, ça va être ça la bourgade où on est. Putain, oui, tu parles pas. Comment, je ne sais rien. Je vois là. Oui. Le halt, je sais pas comment ça fonctionne. J'ai l'impression que ça s'active, ça se désactive. Et. Pas sûr. Non, là, regarde. Là, oui, mais là, j'ai le point, il est bloqué. Vous pouvez me donner votre numéro de sécurité sociale, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelque chose que je peux sûrement faire. Ouais, avec. Regardez sur votre petit téléphone, là, le téléphone. Et un petit slash ID sur le téléphone. Ah, attends, alors. Ça marche pas chez moi. Téléphone. Ouais, j'ai compris, ouais, mais. Le. Ouais, mon téléphone, il. Mais après, j'ai pas. Ah, 17, pas... Ah, si, oula, attendez. Ouais, mais moi, ça vient de pop d'un coup. Il a dit, faut faire quoi? Ça y est, le téléphone arrive.
Ouais, le T, et ensuite tu fais slash ID dans le chat. Slash ID. Je peux pas écrire. Ah, ça y est. Putain, je peux pas parler, ça me gonfle. Vous avez dit après. Et vu que je suis. Il a déco. Pourtant, FiveM a dit ça à mon micro. Pourquoi il y a 2 FPS sur mon stream? J'ai rien que de me rendre compte, j'avais pas vu. Mais moi aussi, ça me fait ça, je sais pas trop pourquoi. Faut le régler dans les paramètres, mais. Mais moi, le T il marche pas, hein. Paramètres GTA ou paramètres stream? Crash pour les deux flics, je reviens. Ah, c'est Vince qu'on avait avec nous. Ah, mais peut-être parce que je stream en 30 FPS. Putain, j'en sais rien. Oui, c'est ça. Attends, je regarde. Mais le menu T, moi, il est fou, le. Je stream en. Attention! Aïe! Tu parles pas alors, c'est bon. Je stream en 720-30 FPS. Désolé, la team. Full screen. Peut-être si je me mets en. C'est pas grave, on s'en fout. Ah, ça y est, le T il marche plus là, James. Ah, c'est bon. Slash ID, moi. Ah, bah. Ah, 23, ok. Comment je peux faire pour. Comment. Je sais même pas comment on change le. La qualité du stream. C'est quoi ton idée, toi, tu m'as dit, comme ça je peux lui dire. C'est 17. 17, et moi c'est 23. Ah, mais t'es obligé de relancer le stream, je crois, pour le. Ouais, mais ça je le fais, je m'en fous. Mais comment on fait? Ça va être. Attends. Ah, vidéo, moi je suis à. Ah, mais déjà je stream en 1080. Alors je suis. Ouais, valeur FPS, je suis à 30. Faut que t'ailles dans paramètres et vidéo. Et valeur FPS en bas. Paramètres. Je sais pas si je peux vidéo. Le passer à 30 en plein milieu du stream. Non, je suis clairement à 30. Parce que j'en étais. Ouais. Vous avez trouvé votre numéro de sécurité sociale. Ouais, c'est ça, c'est le 23. Et toi, collègue, c'est combien déjà? 17. Ah, attendez. Je regarde sur son téléphone. Ouais, tape. 17. Ouais, il est, ouais. 17. 17, 17. Non, je stream en 1900, pourquoi il me dit que je. Vous l'avez, chef? Ouais, je vous attends, je patron, d'accord, pour aujourd'hui. Ok, ça marche. Bah, lui, il vous appellera pas grand chose actuellement. Voilà, tous les deux, vous êtes les patrons, comme moi. Ah putain, vous avez ça arrive. À toutes les portes, vous pouvez tout regarder, tout ouvrir, et ouais. Surtout la fermer. Merci. Bah, non, lui, ça, il le fait bien, lui. Ouais, je remarque, ouais. il avait compris dès le début. Il a compris comment ça marchait dans la maison. Très bien. Bon, ouais, on va vérifier quand même qu'on puisse ouvrir la porte du bureau, hein, quand même. Ouais, ça m'a l'air bon. Ouais, ouais, allez-y, passez, chef. Nickel, nickel. Bon, alors, comme vous l'avez vu, il y a un chouette petit café à l'entrée. Vous pouvez vous servir. Ensuite, pour prendre ouais. Votre service, je vais vous montrer, suivez-moi. Ah oui, le vestiaire. C'est là-dedans. Allez voir si vous avez accès à votre. Ah, je vais voir, je vais voir. Pensez toujours à votre troisième œil incroyable, hein. Approchez-vous des casiers. Je sais pas si c'est mieux, j'arrive pas à voir. Ça marche pas bien moi le halte. À ouvrir, prendre des vêtements. Avec votre troisième œil, voilà, vous foutez à poil, c'est très bien, on est comme à la maison. Oh, ça lag, c'est. Trop d'onglets. Je sais pas c'est moi, mais c'est laggy as fuck chez moi. Soyez pas inquiets, vos frères sont dans vos poches. Vous pouvez vous habiller. Je peux pas avoir accès au truc, putain. Je comprends pas. Tu vas bien? Ouais, ouais, ouais. Hein? Ouais, chef, je. M'attends plus. Allez-y, rhabillez-vous, vous êtes tous des hommes en rut là, ça me trompe le cul. C'est que j'ai pas mes vêtements. Hein. Ça m'a tout cassé, je peux plus. Ah. Comme ça, j'ai pas vu ça depuis des années. Alors, attendez, vous m'entendez, chef? Ouais. Alors, dans mes poches. Ouais. Dans vos poches. Ouais, attendez. Vous savez pas ouvrir vos poches? Oui, je vais y arriver sûrement. Mais si, c'est comme un tablier. Ah putain, oui, ok. Quoi? La table. Oh. Attendez, mais j'ai d'autres soucis question, actuellement, mais j'aimerais être dans le miroir. Ouais, ouais, allez-y, prenez votre temps, j'ai tout mon temps. Les menus, moi, c'est pas ça. Les menus. C'est un peu dur. Attends, est-ce que. Est-ce qu'il faut vraiment aller? Ouais, mais. Ouais, hein. J'essaie de m'habiller moi, mais. Toc, 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 toc. Lancez le live. Le live est déjà lancé. Putain, je comprends. Essayez rien. Pas de mettre des tuts de police ici, y'en a pas pour le moment.
Une personne. Ah ok, c'est bon, ça va. Oui, je vous le dis. Là, je... ma chemise passe plus, mais je vais y arriver. Je c'est ça, vous mettez le t-shirt sur ça t-shirt, le torse sur torse. Ouais, mais ça, je me doute. Là, je peux le voir. Non. Désolé à la personne qui a mis un truc dans le chat. Ça ou quoi bad. Je l'ai pas vu. Pardon, dites-moi. J'ai pas compris, vous m'avez dit quoi? Bah, j'ai dit, elle a dû rétrécir entre-temps, mais... Comment, vous l'avez pas dans vos poches? Si, je l'ai, mais disons qu'elle passe plus autant aussi bien qu'avant. Je vais m'en sortir, vous inquiétez pas, un peu de patience. Mais toi, t'as la tenue, toi? Non, mais j'ai ma tenue, c'est pas... Ouais, bah, allez-y, vous en sortez, Mutéman. Je sais pas s'il s'en sort. Ouais, j'ai pas l'impression. Bah, c'est pas grave, j'ai toujours aimé avoir ce côté un peu Bielsa people dans mon commissariat. Ah, c'est des trucs pour les chiens. Ah non. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait, nickel. On va se marrer en steak. Ouais, je vous jure. Bon, et au pire, j'y vais comme ça, je crois. Ouais, mais c'est pas grave, vous changerez d'heure. Quelle angoisse. J'ai chaud. Viens, on y va, poil. Bon, alors, connerie. Entendez, là. Ouais. En fait, je suis arrivé sur des emotes. Je t'expliquerai après. Ouais. En gros, c'est des trucs comme pour des petites poules que vous êtes. Vous regarderez ce petit carnet avec votre œil. Et puis vous pourrez vous mettre en service, d'accord? Ah, ok, je vois, ouais. Effectivement. Allez-y, mettez-vous en service tous les deux. Moi, je vais le faire d'ailleurs parce que je l'ai pas encore. Je peux que amender, moi. Vous êtes de service. C'est bon pour vous? Là, du coup, je peux t'amender? Et moi, j'ai vraiment un problème, je pense. Eh, vous savez quoi, chef? Je vais juste faire un petit pipi. Ouais, c'est où les toilettes? Au fond du commissariat, après le bureau du capitaine. Allez, j'y vais. Faire démarrer, je pense que c'est pour ça que ils sont buggés, mes menus. Je réponds pas, donc on va faire avec, d'accord? Ah oui, il va se faire amuser avec toi, vu que tu parles pas. Non, je vais redémarrer, peut-être les menus, ils vont mieux marcher. Attends, parle pas, j'entends rien. Okay. Je crois que mon stream est toujours en 720p, putain. Ouais, mon stream est en 1080, mais je réglerai ça plus tard. Hein. Je sais pas, c'est le... Je sais pas. En fait, t'as les menus à des moments, ils marchaient super bien, et des moments, pas du tout. Je souhaite avoir de rien, je vais déposer des plantes, j'aimerais contacter un policier. On m'a dit de faire quoi? N'oublie pas, c'est une bêta. Hein. Voire une alpha. J'ai oublié ce qu'il m'a dit de faire, putain. Tu peux pas lui demander du coup. Ah ok, c'est bon. Je crois que j'ai... C'est compliqué. Ah ok. Oh putain. Alors on me dit que... Oh putain. Ah, bon. Ah mais voilà, tu vois quand tu veux. Voilà. Incroyable. Et une bouche et une langue. Alors je suis en train de lui dire... Donc il a une langue, il va pouvoir sucer pour augmenter ses... Oula, graves. Oula, bon, alors, oula. Parler à la jeune femme. Comme j'étais en train de lui expliquer, c'est elle qui va vous aider à, on va dire, plus ou moins faire un job de qualité et d'éviter de faire des boulots de merde. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, elle a plein de choses à vous dire. Ah bah ça, vous savez oui. Ce qui est bien avec elle? Dites-moi. C'est que c'est elle qui prendra note. Ah putain, c'est bien ça. Vous pouvez aussi parler au monsieur, il vous proposera d'autres choses. J'aimerais bien, mais je suis bloqué. Ah. Il marche? Je propose la même chose, quoi. Ah moi, oui, peut-être la même chose, faut voir. Bien. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ouais, vous avez vu qu'il se passe des choses en ville et qu'on en a un petit aperçu? Oui. Bon, voilà. Si vous ouvrez votre carte, normalement, vous verrez des choses apparaître. Par exemple, vous devrez voir des grosses voitures jaunes. Sur 100 Vitus Boulevard, par exemple. Grosse voiture jaune? Vous la voyez? Affirmatif. Voilà. Ça, c'est... Il y a un malandrin qui essaye de braquer des caisses. Ah oui, mais je suis pas en service, c'est pour ça que je les vois pas. Prenez votre service, du coup, oui.
Attends, c'est là, vous m'avez dit. Hein. Ouais, le petit carnet, ouais. Mais je dois être un connard, mais j'ai vraiment pas envie de prendre mon service, en fait. Ah, mais c'est pas grave, prenez pas votre service. Je parle le halt. Bon, passons à la suite, ben avec moi. Parce que je fais... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça y est, j'ai le point. Alors là... Pardon, excusez-moi. Ah, prendre, finir le service. Mais non, mais... Je veux... Arrête de t'énerver sur le papier, c'est pas grave, on passe à autre chose. J'arrive. Donc comme je disais, tu vas prendre ton téléphone, tu vas appuyer sur la petite touche K. Tu vas voir, t'as une chouette tablette. Ah ouais, putain. Ah ouais. Et t'es dans ma poche tout ce temps. Ouais, alors là-dessus, on vous fera une formation, hein, parce que c'est un bordel. Hein. Oh putain, oui. Et c'est un bordel utile qui marche bien, d'accord. Ouais, je vois ça, ouais, il y a des trucs à dire. Ah oui, il y a des choses à lire et vous verrez même que, vous voyez, par exemple, si je vous mets, si vous allez dans instructions, vous avez tout le manuel du poste de police à l'intérieur. Instructions, vous avez dit, alors attendez, je regarde ça. Ah oui, instructions, oui. J'ai cliqué, hein. Oh, c'est laggy as fuck, hein. C'est... Faut aimer lire, quoi. Ah oui, faut aimer lire, oui. Peut-être moi j'ai pas bien beaucoup de 4G ici, hein, mais ça va pas très vite. Ah ça y est, c'est là. Bon, ça vous aurez tout le temps de le lire, vous en faites pas, hein, on va faire ça aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment c'est foutu. Allez, suivez-moi, on va aller voir s'ils ont des caisses en bas pour que vous alliez patrouiller un petit peu et voir un peu comment ça... Je suis vraiment bien sur la tablette, moi, apparemment. Essaye de t'échapper de la tablette. Ouais, j'essaye. Ouais, échappez-vous de la tablette. C'est ce que je fais. Mais les serveurs, y'a que moi qui lag sur les... Je vais te donner un petit coup de poing en tête. Bah j'échappe. Et tu connais mon addiction, les écrans, tout ça. Appuie un coup sur le bouton K et refais échappe au cas où. Putain, qu'est-ce qu'il regarde? C'est bon? Ah putain, ça y est. Bon, suivez-moi. Ouais, vous avez déjà connu une bagnole ici ou pas encore? Pas ici, mais déjà connu une bagnole. Non. Très bien. Bah vous allez voir ici, c'est un peu rétro. Bon, on va voir ça. Hein. Alors j'espère qu'ils ont des caisses en bas, s'ils en ont pas, je vous en fournirai. Ok. On m'a toujours dit que j'étais un pilote, alors. Il y a un petit monsieur là-bas. Il est pas payé à rien foutre. Le petit monsieur. Vous allez lui parler, et vous allez voir s'il a un véhicule à vous prêter. Je suis pas sûr qu'il en ait, on verra. Hein. Si jamais je vous les fournirai. Oh, c'est mon ATH qui est bugué avec le fait que je suis en 1440. Faut que je check ça. Parce que j'ai vu que là ça dépasse. Alors est-ce qu'il veut bien vous passer un véhicule? Ou est-ce qu'il en a pas? Salut Didier. Ouais, il a rien. Il a rien, c'est pas grave. Ouais. Venez avec moi, on va devoir, je vais vous les fournir. Bah on vous suit. Hein. Là, vous courez vite, chef. Hein. Ouais. Tu calmes, oui. Ah bah oui. Stressé ici. Hein. Je suis allé le chercher. C'est depuis qu'il ouvre la bouche, c'est quelque chose. Alors. Des petits minots, montrer avec quel véhicule vous allez patrouiller. Allez, ça marche. Restez pas collés par contre. Vite. Alors, on vient plus aux soirées. Oh. C'est sympa le bavoir. C'est bon, j'ai réussi à avoir habillé. Bien joué, j'ai pas réussi. Bah il faut que tu tables sur ça quoi. Ouais, je me doute, merci. Table sur le fait de te rhabiller et... Dites-moi, vous en prenez une pour deux ou vous en voulez une chacune? On va prendre une pour deux, vous en mettez pas. Ok. On viendra vous voir si jamais il y a un souci. Non bah je vais monter avec vous, j'ai envie de voir votre réaction au volant. Ah bah c'est lui qui va voir. Hein. Attachez-vous, hein. Vraiment attachez-vous par contre. Alors pour... Ah non, ça c'est ma tablette, merde. Alors pour vous attacher... ben, comme votre bide il est un peu gros, il faut appuyer sur B, vous voyez, ça vous sert bien le bide. Ah, c'est tout bon. Voilà. J'arrive pas à quitter la tablette. Oh, je vais tester un petit peu. Allez-y, c'est fait pour. Ouais. Je viens que de mettre ma ceinture, moi. Ouais, attachez-vous parce que le pare-brise il est rapide. Hein. Ouais,
oui, d'accord. Qu'est-ce que tu nous fais? Bah, vous comprendrez quand vous aurez la main sur le volant. C'est conduite GTA 4 en fait. Ça me rappelle ma jeunesse. Vous avez combien d'années de service, chef? Moi, j'ai commencé à 26 ans, hein, j'en ai 55 maintenant. Oh putain, c'est beau. Vous avez fait, vous avez fait qu'ici ou... Non, j'ai travaillé dans plusieurs villes. Ah putain. Moi qui forme les petits jeunes. Ah, c'est bien. Bah, il faut, hein, il en faut des gens comme ça. Ah bah bien sûr. Puis moi la retraite quand même. Hein. Bah lui, faudra le former, hein, parce que là c'est du contresens qu'il nous fait. Hein. Ouais, bah, ça va. Tous nos services sont en phase de test en ce moment, donc profitez-en. Ouais, c'est ce qu'on m'a expliqué. Ouais. Pour ça, j'ai profité pour faire un petit tour dans la ville. Ouais, regardez, des collègues, allez les voir, tiens. Faites demi-tour. Eh, vous allez me faire un contrôle, tiens. Allez, on a eu les sirènes et on va les... Ouais. Il est malade. Ah, non, ah. Oui, je vais le virer, hein. Non mais viens-le lui aussi hein. Complètement con, non. Ça va. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Complètement fou celui-là. Bon allez. Bah du coup on se fait contrôler. Ouais. Allez. Attachez-vous allez. Les jeunes. On va y aller tout en détente au début hein. Ouais, la détente c'est ce qu'il y a de mieux. Ah putain déjà on va te mettre la ceinture. C'est joli cette petite ville. Ouais. N'oubliez pas qu'il faut. Ouais. Bravo. On est tous à le même endroit en plus, c'est parfait. Oh, c'est quoi vos petits noms là? Bah, c'est Jet, chef. Ah, vous avez fait fort la collègue. Attendez, hein, comment il s'appelle le dernier là? Vous voulez mon prénom ou mon numéro de sécurité sociale? Non, il a changé votre numéro de sécurité sociale. Ah merde, attendez, je vais vous dire. Attendez, j'attrape mon téléphone. Ah, ça va faire pareil. Mais dites-moi votre nom, ça va plus vite. Ah, c'est Jet, Jet Carlson. Jet Carlson, ouais, c'est bon, j'ai. 141. C'est bon. Ah, ça va beaucoup mieux d'un coup. Bon. Alors, vous voyez, la conduite dans cette ville, elle est particulière. Va falloir se faire attention, d'accord, parce que ça va coûter cher. Hein. Ah, vous avez pas reçu les nouvelles pièces de véhicule? Nouvelles pièces? Quelles nouvelles pièces? Ça, c'est un modèle de série, mon grand. Ah, ouais, bah, je vois ça. Merci, salut, collègue. Ah, bah, bonsoir. Hein. Y'a un monsieur, il prend des photos là, c'est avec le béret. Là. Monsieur, s'il vous plaît, c'est quand même une scène. Oh! Chacun son fétichisme. Hein. Bon, bah, chacun sa manière de régler les soucis aussi. Vous avez attendu, collègue, quand même un peu là. Hein. Toujours. Alors, est-ce que le monsieur avec la belle veste en cuir, là, YMCA, est-ce qu'il a vu le MDT? Oui, je l'ai vu. Hein. Ah, mais c'est nickel, regarde, bah, vous savez quoi? Vous allez être le supérieur des deux zigotos qui viennent se cracher en bagnole. Non, mais bon, attends, laisse la voiture un peu. Ouais, le qu'est-ce que c'est dans la... Putain. Oh, bordel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une 5 Emilia qui se fait braquer. C'est loin d'ici? Je prends l'appel, j'y vais, hein. À tout de suite. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, voyons voir. Bien. Ça, J'arrive, j'ai toujours un peu de mal à décrocher de cette tablette. Bah, il faut échapper, hein. S'échapper de la tablette. Votre collègue, il arrive très bien. Ça y est. On va tester un autre véhicule. Allez, on vous suit, chef. Montez pas. Ah bah on monte pas alors chef. Bien. Qu'est-ce qu'on va vous faire essayer tiens? Hop là. Ouais, finalement je pense qu'il vaut mieux donner un véhicule par personne. Par contre on remarquera que la ceinture de votre véhicule n'a pas tenu. Hop là. Oh, excusez-moi, c'est un réflexe. Ah bah ouais, moi j'ai pas eu le réflexe d'esquiver, vous voyez.
Bien. Ah. Ça, j'aime bien ça. C'est un peu plus... Ça roule un peu plus fort, ça. Mais pas de vous cache chacun, du coup. Ah bah, sauf si vous pouvez, hein, sinon. Ah bah, je peux, oui, bien sûr. Ah bah, je veux bien, je veux bien. Des milliers, si vous voulez. Ah bah non, une, deux, ça suffira, hein. Allez, vas-y. Faut file comme le vent, Starsky. La même ou une autre? Ah, est-ce que vous avez de mieux? De mieux? Ouais, qu'ils sont un peu jaloux. Jeune. Ouais, et vous savez, hein, à mon âge. Va toucher un bijou que tu n'auras jamais le droit. Allez, allons-y. Je veux bien vous croire. J'y croirai plus quand je la verrai. Oh putain! Ah ouais. Alors tu sais quoi, Brand, je vais rester avec toi. Vous êtes sûr? Ouais. Ce n'est pas la vie. Oui, mais si, tu sais qu'il vaut mieux que je reste avec toi si tu décèdes. Pourquoi tu fais les clés, là? Oui, c'est vrai que t'as pas les clés. Eh oui. Tu veux que je te les donne? Bah ouais, je les cherche. Tu veux que je te les donne? Bah, je veux bien. Attends, je te les mets dans la boîte à gants, d'accord? Ouais. Quand tu tapes ta boîte à gants. Attendez, je tape ma boîte à gants. Tape ta boîte à gants, ouais, tu devrais voir des clés dedans. Je tape, hein, je tape. Ma ouais, boîte à gants. Tape, tape. Je vois pas ta boîte à gants. Ah! Prends les clés. Tu l'as, c'est bon? Ouais, j'ai les clés, alors attendez. Oh, tu mets les clés dans le petit U. Le problème, c'est que je suis toujours dans la boîte à gants. Alors. Ah oui, il me sort de la boîte à gants, par contre. Ah, et voilà! Il est parti où le collègue? Peu importe. Voilà, ça pousse, hein. Ah oui, ça pousse, ça, oui. C'est pour ça que je préfère rester avec toi, parce que si tu te craches, on est pas dans la merde. T'es pas dans la merde. Ce véhicule-là est unique au poste, hein, je te le dis d'avance. Hein. Donc il faudra le respecter plus que ta propre mère. Arrêtez-vous, monsieur! Arrêtez-vous, c'est mon bon monsieur, s'il vous plaît. Bonjour! Soir, monsieur! Soir. Oh, hop là, et ben voilà, on va procéder à un contrôle. Oui, monsieur, vous ferez gaffe, vous ressemblez à Rayman. Vous êtes qui, vous? Je suis inspecteur de police. Inspecteur de police? Oui, depuis aujourd'hui. Ouais. Prouve. Prouve, vous voulez que je prouve? Vous voyez pas le bolide, là? Vous voyez pas le bolide? Ah ouais, mais c'est un jouet, ça. Ça prouve rien. C'est un jouet. Attendez. Comment osez-vous, là? Je joue satellite dans le jouet, moi? Ah, c'est joli, ça fait des lumières, mais bon. J'ai une plaque. Et vous croyez que je vous ai... Vous croyez que je vous ai pas vu, là, traverser Vinewood comme un fou? Je vois pas de quoi vous parlez. Vous avez un permis, monsieur? Permis? Permis de conduire. Vous doutez bien. De conduire? Enfin, un permis de chasse. Ah bah je sais pas, hein, faut préciser, hein. Vous avez un permis de conduire, oui ou non? Alors est-ce que je l'ai laissé sur... Est-ce qu'il est sur moi ou est-ce que je l'ai laissé dans la... Allez bagnole, voir s'il est pas dans la boîte à gants, allez-y. Check. Ah. Bah voilà, il est là, votre permis. Ça? Bon. Ah, faudra me refaire la photo par contre, mais sinon ça me va. Quoi? Je suis moche? Non, mais ça... C'est encore pire. Ouais. C'est encore pire? Comment ça? Ouais, vous êtes rouge, c'est encore pire. Ouais. Je vous donne pas tous les droits là. Hein. Et du coup vous faites droits, oh ça va faire pour le moment. Vous faites quoi dans le coin ici, monsieur? Bah je suis venu voir s'il y avait pas du monde là au garage. Un petit check-up. Ah, vous cherchez un mécano? Ouais, mais bon, j'ai pas eu le temps de sonner. Quoi, elle est en pleine forme, votre bagnole, vous l'avez cassé. Ouais, c'est un beau modèle ça, en tout cas, c'est américain. Elle a pas une gratinure, vous l'avez vraiment pété, vous êtes sûr? Petit check-up, hein. Ah si, ouais, si, regardez le chef, regardez le chef. Le feu, là. Ah oui, ouais. Ouais, ouais, c'est dysfonctionnel, ça. Ouais, ça, non, c'est vrai. Mais c'est bien, vous faites les démarches tout de suite, c'est bien. C'est bien, vous êtes un vrai professionnel. Bon, j'enlève son... Merci pour le follow, Mojo. Alors, bon. Par contre, j'aimerais bien vous rendre votre permis, attendez, bougez pas. Comment je... Ah, mais il a son permis. Ouais, mais moi aussi, je l'ai. Échappez-vous. Hein?
J'essaye de m'échapper, mais... C'est terrible. Je vais rester avec la photo de monsieur, c'est pas grave. Monsieur, montrez-moi votre beau permis, parce que je vais voir ce qui l'embête à mon copain, là. Apparemment, il l'a imprimé à vie, son permis. Exactement. C'est compliqué. Montrez-le-moi, comme vous l'avez fait. Le tab a l'air de marcher mieux. Ça. Peut-être le savoir un peu saturé au début. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Qui fait quoi ? Attendez. Moi je fous rien, hein, je vous le dis. Ouais, c'est vrai qu'on voit votre gueule, mais attendez, bougez pas. Je me rappelle, parce que moi aussi je suis vieux. Hein. Bon sang, un petit dame, allez-y, garez-vous, y'a pas de soucis. Hein. Ah oui, faites un petit retour arrière. Je fais un petit retour arrière alors. Ouais. Ah, effectivement. Ah, c'est moins imprimé, ouais. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'elle est muette. Ah, ça va, ça va. J'entends mieux, là. Oui, bah, décidément. J'avais un casque stéréo dans mes oreilles. Prenez un strepsil, là. Pourquoi ? J'ai un problème de gorge ? Non, là, c'est bon, là, c'est bon. Dans votre cuir, hein, vous ferez attention. Ah oui. Oui, mais en fait, à chaque fois que je regarde dans mes poches, j'ai des trous. Oh, madame, vous savez pourquoi on vous arrête ? Bah non, c'est moi qui me suis arrêté toute seule. Effectivement. Oui, c'est elle qui nous arrête, en fait. Effectivement, mais il était où, votre casque ? C'est moi qui vous arrête. Bah, alors, venez avec moi dans le magasin et achetez-moi un casque. Et les cas sont pas encore à vendre. Et voilà. Ok, vous marquez un point. Non, mais c'est bien, mais je contrôle. C'est bien, c'est bien. Bon, moi, je vais aller me suicider au Mont Chiliad. Ah, ouais. Bah, c'est un chouette programme. Ouais, cette moto, alors, vous allez être fiers, ça se conduit bien. Bah, pour monter le Mont Chiliad, c'est parfait. Hein. Nickel. Ouais, c'est mieux qu'avant. J'ai pas vu de différence en fait. Ah bon ? Ouais. Mais vous arrivez à la piloter. Vous me permettez d'essayer votre moto, madame ? Ouais, bien sûr. Ah, je me permets. Hein. Vous avez les clés au moins ? Ah bah non. De toute façon, ça se permet beaucoup de choses ici. Attendez, je vais me récupérer les clés de la voiture aussi parce que. Je dis ça. C'est ma voiture ? Ma moto ? Au pire, je vous en redonnerai une autre. Non, mais j'en veux pas, moi, de vos clés. Oui, à qui j'ai donné mes clés. C'est moi, je veux bien vos clés, moi. Attendez, bougez pas, c'est quoi les clés, la main de chaîne ? Tenez, on se la fait tourner, hein. C'est pour lui. C'est moi qui la veux à la base. Alors, il m'a donné les clés, ouais. Donne les clés au monsieur, là. Attendez. Voilà. Allez, sois sympa, s'il te plaît, bougez pas. On te fera la réparation de ton feu si tu donnes les clés. Ouais, bon, ça me va. Donc, faut voir avec le chef. Parce que moi je dis ça, mais je peux rien faire. Bah, donnez-lui les clés. Hein. Donnez-moi les clés, je leur donne. Enfin, je sais pas, démerdez-vous, faites quelque chose. Putain, mais en fait, j'ai pas récupéré les clés, merde. Parfait. Tenez, et vous putain, attendez, je récupère les clés de la voiture, je les ai laissées dessus. Bon, vous êtes une femme un peu seule, il va falloir que. Je vous donne une arme. Ah oui, oui, ah bah oui, oui. Il y a des couverts là-haut. Allez, ah si, là, je les ai les clés. Ok, je les ai. C'est bon, j'ai les clés, chef. C'est bon, très bien, ne bougez plus alors. Je bouge plus, chef. Allez, tenez, allez, tester la moto. Ah, merci bien, madame, c'est bien sympa en tout cas. On va attendre qu'il fasse son petit tour de bécane et pas trois quarts d'heure, tu fais ça rapide. Ouais, je fais un petit tour de quartier. Ouais, alors vous, vous suicidez, j'espère que vous avez quelqu'un avec vous pour vous sauver. Mais... Bah, oui, j'ai un ami qui s'appelle Revive. Ah, très bien, vous avez de la chance. Si vous avez un ami Revive ou pas ? Un quoi, pardon ? Un ami Revive. Non, je connais pas lui. Ah. Par contre, elle marche pas bien les clés. Bah, il faut allumer le moteur. C'est ce que je fais, Dans le petit U. Bah oui, dans le petit U. Et j'insère la clé dans le petit U et je tourne. Mais. Ça marche pas ? Attendez, bougez pas, attendez. Peut-être que c'est pas le bon U. Hein. Ah ! Effectivement, c'était peut-être. Ah bah non. J'y ai cru pendant une seconde trente. Oh, what the fuck ? Oh bah Léon ! Bah, vous savez pourquoi on vous arrête ? Bon, on va voir. On peut pas avoir plusieurs clés ? Ah, peut-être si, bien. Si, mais faut aller voir le monsieur qui vous donne des doubles de clés. Ah, c'est ça. Mais c'est si je vous rends les clés de la du bolide, chef, le temps que. Oui. Oui. Ah non, attendez, ça c'est pour vous amender, rien à voir. Oh, vous pouvez y aller, je prends pas les couilles. Mais comment je vous les donne, chef ? Alors, vous avez votre petit tablier.
Oui. Regardez la bonne clé. Donc, je sais pas quelle que vous voulez donner, par exemple la main de chaise ou la backup, peu importe. Oui. Et puis, comment dire, utilisez votre petit bras droit. Dessus. Ils sont cons, ces habitants, ou quoi? Ah, mon petit bras droit, alors attendez. Faites donner. Alors, donnez, vous voyez, alors, hop. Votre bras droit, mais vous... Ah, ouais, voilà, très bien, très bien, très bien. Je vais essayer maintenant, voir si c'est ça. Voilà. Bon bah sinon je vais faire semblant. Boum 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 boum. Ah c'est un bolide dis donc là. Bon bah chef, je peux récupérer le bolide. Particulière. Bah non, non, n'importe, n'importe, quelque chose qui roule un peu. Et bougez pas. Oh, du coup je veux bien vous redonner mes clés. Ah oui attendez, je voulais un. Alors non. Attendez. Tenez ma petite dame. Les clés sont dans le boîte à gants. Ah, ah bah, bah allez-y, hein. Faites un tour, testez d'abord, allez-y. Allez. Chef, je peux récupérer les clés du bolide. Ouais, mais vous tuez pas, d'accord. Non, non, promis, promis. Vous avez vu, j'ai fait attention. Attendez, j'ai accès au coffre là. C'est pas... Ah oui, c'est pas. Ouais, ouais, le chose tout à l'heure, allez-y, par là. Ah, vous, ouais, vous, mais c'est votre moto, hein, la moto a choisi son maître. Et attention, hein, pas de bêtises, madame. On compte sur vous. On compte sur vous. Ah, mais j'ai le droit. Oui, aujourd'hui, oui. Aïe. Et pour ça, il vous faut la licence. Ah, bah mettez-moi la licence. J'en profite, chef ou madame. Vous savez, si j'ai envie d'un peu de d'osser la voix, comment... Ah, ça dépend. Comment se faire? Bah, ça dépend. Je connais pas votre gorge. Eh ouais. Et ça, c'est bien normal. Vous êtes pas docteur. Bah voilà. Donc, oui. Ça dépend. Eh ben... Eh ben, ça me fait une belle jambe, comme on dit. Eh ben oui, parce que je sais même pas moi-même. Eh oui. Ah, donc voilà. Ah, bah voilà. Vous connaissez pas votre gorge non plus? Si, normalement. Ah. Vous avez bien de la chance. Moi j'ai... Ah, si, là j'ai... Là normalement j'ai... Attendez, je vais essayer de connaître ma gorge un peu. Moi j'avais un médicament, il s'appelait Petit 2, mais... Ah bah j'ai le même. Ah bah voilà. Allons-y, nous avons la même gorge. Dit comme ça, c'est bizarre. Bah, fonctionne très bien cette moto. Je peux acheter un flingue ou pas? Ouais, attendez. Attention! Tu t'appelles comment du coup? Dis-moi. Hein? Bah, et toi? J'ai pas entendu. Et tu t'appelles comment? Harry. Ah. Harry Potter? Non, c'est une mauvaise blague. Et vous, madame? Là? Aujourd'hui? Bah, ouais, aujourd'hui, ouais. Sophie. Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal aussi. Bah, si je préfère Harry. J'ai remis les clés dans. Ouais, dans ah bah attendez, je vais essayer. Oh merde. Où est les clés? Ouais, je les ai. Alors, allons-y. Alors, attendez. Faut la démarrer maintenant. Hein. Ah, ça y est. Voilà. Allons-y, j'arrive. Mais le casque. Oui, oui, bon, bah, comme a dit la dame. Hein. Voilà. Bon, ok. Ah, les motos, ça se pilote comment? Les motos, apparemment, aussi, il y a une conduite particulière, mais... Cette manche, c'est pas le mieux. Oh oui. Ah oui, je stresse parce que je pilote comme un dingue.
Regardez-moi ce pilote. Oui. Pas passé loin. Ça, disons que ça freine pas très bien, je m'attendais à mieux. Ah ouais, je pensais que ça freinerait un peu mieux, mais du coup c'est pas passé loin. Ok. Et je crois, chef, il nous vole la voiture. Où les clés? Ah, il faut que je les récupère les clés si je veux les mettre dans la boîte au grand. Bah oui, si je récupère pas les clés. Tu sais que j'aurais pu te donner les clés si tu voulais. Ah merde, je les cherche. Bah cherche longtemps, c'est moi qui les ai. Ah, j'ai remis les clés dans la boîte à gants si vous laissez l'autre moteur. Oui, on vous entend. Ouais. Mademoiselle, venez avec moi. Tu veux les clés là, du coup? Ouais. Attends, j'essaie de te les donner. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont une petite voix, mais les deux là-haut, j'ai. Ouais, je les entends très mal aussi. J'ai mal à les entendre. Un petit doigt dans l'oreille, tu vois, tu vas entendre mieux. Ouais. Tu es dans l'oreille, tu tournes. Pas j'ai jeté, c'est ça. Comment ça les ouvrir? Faut que je les utilise. Oh pardon. Ah oui, oui, pardon. Ça va, chef? Vous avez votre arme dans la mer? Oui, ça va. Une... Ma femme me fait pareil. Ah. Donc je disais, pour changer de chargeur, il faut déjà que vous ayez votre arme dans la mer. Faut que j'enlève le motion blur, là. J'aime pas ça. Mettez là dans la mer. Pas voir de loin. Le pire c'est que je vais me taper un motion blur. H24 sur mon prochain perso. Parce que vu que dans mon background j'ai mis qu'il était myope, dès que j'ai pas mes lunettes en fait je vais voir flou. Un petit quoi? Un petit timbre. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Attendez. Ah dis donc, on contrôle pas son engin? Aïe. Bah oui, ça pousse hein. Ça pousse, hein? Bah si. Ça freine pas. Ça se maîtrise. Oh, je sais ce que je vais demander à chef. Voilà. Maintenant, ça fonctionne. Madame, s'il vous plaît. Non, mais braquez pas. Ouais, sur le sol, je veux bien. Je faisais un test. Ouais, non, je rigole. Amusez-vous. On est là pour ouais. Ça, hein. Je vais aller voir les cougars. Ah. J'en ai croisé quelques-unes. Ah, chef! Vous avez quelque chose, une petite muscle car, quelque chose comme ça, essayez là, un petit truc à l'ancienne. Ouais, bien sûr, vous voulez quoi? Ah putain, j'ai ma petite Vigero, un truc du genre. Vous me l'appelez là, le nom? V-I-G-E-R-O. Des trucs comme ça là, voilà, ça j'aime bien. Ouais, ça. Ouais, parfait. Dans le... Ouais, allez-y, je récupère. C'est Harry qui a les clés de la vaca là. Même. Ouais, c'est tout grave. Vous avez gardé mes clés ou... Non, dans la boîte à gants, Dans la boîte à gants. Ah, ok. Je vais voir. Ah, vous en sortez? Ouais, le temps que je mette les clés dans le U. Je voulais pas vous attacher, j'ai pas envie de vous ramasser la petite cuillère. Hop, c'est fait, chef, je suis attaché. Mais attendez, hop. Un coup à prendre. Ouais, c'est ça. Hein. Mais là, j'arrive pas à prendre le coup. Vous avez bien pris les clés, vous avez bien sur vous. Ah oui, j'ai bien les clés, elles sont bien dans le véhicule. Alors, je suppose que c'est parce que j'ai sorti la voiture de mon cul, peut-être que ça fait des trucs bizarres. Hein. Tout à l'heure, il y avait aucun souci, pourtant, chef. Ouais, je sais pas. Ressortez, refermez la bagnole, rouvrez-la. Vérifiez qu'elle est bien fermée. Ah. Attendez, hop. Là, elle est fermée normalement. Voilà. Nickel. Vas-y, rouvrez. Rentrez. Voilà, très bien. Maintenant, à nouveau le petit U.
Et là, ça démarre ou pas? Je vois des phares. Elle est pas allumée, non, elle est pas allumée. Ah merde, non. Bon, bah, je les cherche. Ils sont tombés. Ouais. Allez-y. Ils sont tombés sous le volant. Putain, c'est une galère à attraper en plus. Ah, c'est les américaines, c'est joli, mais c'est pas pratique. Bah, je veux m'en sortir. Ah merde, oula, j'aurais pas dû faire ça. Ah, vous inquiétez pas, chef, je vais me débrouiller sinon. Bah non, je vais pas vous laisser là tout seul. Ah, c'est bien gentil. Je vous rappelle que vous avez laissé le collègue avec la voiture tout seul, sauf il est mort. Ah bah écoutez, il a qu'à rester avec nous. Hein. C'est vrai. Quatre places exprès pour vous amener à des endroits. Hein. Ah! Et bah voilà! Ça y est! Allez-y, je vous suis. La ceinture! On va où? Je sais pas, je vous suis là, allez-y. On va essayer de tester ça. Ah, il y a que deux vues. Ça glisse, hein. Ah ouais, putain, c'est quelque chose, hein. C'est un plaisir. Ah, c'est agréable, hein, d'avoir des vraies... Ah ouais, non, c'est quelque chose. Oula, là, qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est passé quelque chose. Ouais, c'est un crash test, cherchez pas. Perdu le chef. Allez, ouais. Oh oui, ça y est. Okay. Ah, c'est l'essence qui bip, d'accord. Ah, on peut essayer d'aller mettre l'essence. Hein. Niveau d'essence bas. On a perdu le chef. Hein. Il nous suivait, puis j'ai fait un saut. Et... station essence. Est-ce qu'il y a une station essence? Je sais pas si les sons ont été modifiés. Je sens que c'est les sons de base mais un peu amplifiés. Putain, j'aurais pu garder la voiture de fou mais... Et du coup j'ai plus les clés. Bon, la prochaine fois le stream sera en 60 fps hein, là. Je pensais qu'il l'était, mais il l'est pas. Ah mais c'est toi. C'est toi. Bah oui. On t'a perdu tout à l'heure. Bah non, moi j'ai ma voiture. Get le moulin. Attends, tu veux tester la mienne? Non, ça va, je connais, mais c'est la tulipe. Non, c'est le Vigero. En plus c'est marqué. Bah oui. Ah, y'a que deux vues, y'a que vue de proche et vue intérieure. Plaisir.
Tu m'as dit quoi? Vas-y, qu'on se poursuit. Eh, si jamais, si tu veux crier un peu. Attends, comment te dire ça, mais. Dis-le clairement. Ah, petit deux, quoi. Exposant. Expose. Marche pas. Faut que je trouve une station essence. Marche pas ton truc, hein. Ah bah, moi ça marche. Petit 2, mais petit 2 quoi? Exposant là, en dessous d'échappe là, putain! Sous d'échappe. Ah! Oh, bien vu! Ah, tu sais où il y a une station essence? Oui. Vas-y, je te suis jusqu'à la station, après on fait course poursuite. Viens. Ah! Je t'ai pas touché, arrête! Ton pauvre pote, tu vas te je te jure. En même temps, il s'est mangé la voiture et bon, bah malheureusement, il s'est retrouvé sous mes roues juste après. Oui. Oh là, ma voiture. Ah oui, mais elle veut plus, j'ai vraiment plus d'essence. Faut vite que j'aille mettre l'essence. Ah oui, juste à droite là, il y a une station. Wesh. Attends. Quoi? Ah. Quand tu veux faire le plein d'essence, pense à bien éteindre ta caisse avec U. Ah oui. Oh! Sinon tu risques d'avoir des problèmes. Là comment je fais? Take off, pousser le véhicule. Remorquer le véhicule. Et où la trappe sur cette putain de bagnole? Ton camion, fais attention avec ton camion. Et où la trappe sur cette bagnole? À l'arrière. Et je trouve pas la trappe. C'est une brêle, on n'y peut rien. Aïe. Oula. Non, fais pas ça. Ah bah j'ai enfoncé la caisse. Attends, je vais essayer de le faire sur ta caisse. Oula. Merde. T'es là. Ouais. Pourquoi ça tire? Je sais pas, mais viens, on y va. Oh les mecs, ça va pas la tête. Vas-y. Y'en a un autre, y'en a un autre! Finis, mec! Allez, bah! T'as pas reçu, chef, tu m'as mis des balles! Il nous faut une caisse maintenant. Ah, j'ai ça, tenez. Ah, oh! Bah là, sympa. Vas-y, on prend. T'as mis les clés dans le montagnant? Ah merde, attends. Attends, tiens. Ah, merci bien. Merci. Ferez attention, vous avez une roue crevée. Oh le salaud. Ah. Oh le salaud! C'est pas grave. Quand tu veux, par contre, hein. Je sais pas nouveau. Ah mais non mais j'ai pas les clés en fait. Ah si on peut. Si j'ai les clés pardon. Attends. Avec le chef tout à l'heure j'ai eu la même galère. Ah mais là je suis. Ah bah non. Ah
Ouais, la station d'essence, là par contre, je sais pas pourquoi ça a pété, c'est peut-être moi qui ai tiré. Oh putain, quel boulet. T'en as pas une autre de caisse? Tu vas me laisser là, connard! Oh oui. 41, mon idée! T'en fous. Tu fais P slash revive. Ah, ça va beaucoup mieux. Eh, il crève bien un pneu lui aussi, hein. Bon, hop, y'a pas les clés. Ouais, non, mais c'est... Ouais. Est-ce qu'on peut faire un repair? Je sais pourquoi en plus. Ah, repair. Mais ça lag à balle. Mais bon, j'imagine que c'est temporaire. Non, mais normalement, c'est pas censé. Ah, tu sais, je suis pas censé exploser quand je fais le plan de mon véhicule aussi, pourtant. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Comet rétro custom. Non mais même tout à l'heure j'étais tout seul. Ah, ça, c'est la, marrant, ça. La hitbox en fait du pistolet fait bug la station et si tu t'approches trop, ça la fait exploser. Voilà, si jamais. Oh putain j'ai pas réussi. Ah. Ah. Ça y est. Vas-y monte. Bah non je prends la mienne. Bah, elle démarre la tienne. Non mais ça va pas tarder. À mon avis, elle démarrera pas. Et dans la vie, faut persévérer. C'est beau. Bon, ok, j'abandonne. Merci pour la voiture. T'en as une autre, chef. Non, mais monte avec moi. Mais je veux ma voiture. Je te la donne après, je te la donne. Ah ouais, c'est vrai. Va au concès, je prends la mienne et je te donne celle-là. Allez, on y va. Merci, chef. Merci. Ah, mais dis merci au lieu de partir comme un. J'ai dit merci. T'as même pas dit au revoir. Putain, c'est quoi ces marches arrière à la con? Hop là, le monsieur. Hop là! Le dodane. Oh, mais toi t'es. Oh là là là! Je te jure que c'est dur, je te jure que c'est dur. Je te jure que je pilote trois fois mieux que toi. Je te... Bah, on verra tout à l'heure, on verra. Avec la vigueur, je te fumais là. Et avec le Vespa aussi, non? Ouais, bah, bien sûr. Ça y est. J'ai pas eu ma ceinture. Même en vélo, je te fume. Regarde l'artiste. Oh, t'as la ceinture, hein? Ouais. À moi. Ouais, c'est bon. Ah putain, c'est pas là. Bah ouais, c'est le magasin d'habits, elle est en con. C'est derrière. C'est où? Je sais pas, vu qu'il y a son repère. Je sais pas où c'est. Mais y'a le tien, je peux pas. Voilà. Je crois que c'est là, attends. Ah, c'est ammunition ouais, là où tu m'as mis. Hein. Ah là. Tiens, j'arrive. Là, tu peux prendre ce que tu veux là. Les connards, les clés. Ah, c'est juste une voiture flic. Tu vois que ça? Interaction véhicule. Tester le véhicule, financer le véhicule, changer le véhicule. Service de police, services médicaux. Police VTT. Oh, Buffalo S, moi je vais essayer ça. Mais après, c'est l'hélico, on va pas prendre un hélico. Oh, une Felon. Felon, j'aime bien. Hein. Une voiture de flic. Ah, si, c'est la version flic. Service médicaux, il y a deux fois service médicaux. Enraiden, plus de prison, trust c'est une moto, Electra Glide c'est une moto, c'est, ou c'est le scooter, je sais plus. Vas-y, on va essayer la Buffalo. Non, annule, je veux acheter. J'ai pris le modèle au-dessus. Oh, t'as fait comment? Bah, j'ai changé de véhicule. Et j'ai pas trouvé comment on fait, moi. Bah, il faut vraiment taper sur changer de véhicule. Mais tu le fais où? Bah, quand t'es pour acheter le véhicule.
Comment t'allumes ta sirène? C'est A, mais il faut rebind la touche, je crois. Ok. Ok. J'ai déjà largué, wesh. Elle est trop facile à conduire la Buffalo S. Dis donc. Laisse tomber la différence. Ouais non, eh, viens, essaye la Buffalo, tu vois, elle est incroyable. Je te laisse les clés dessus, je crois. Avec les clés, ce serait mieux quand même. Bah, je t'ai laissé les clés dessus. Ah non. Bah si, je les ai pas enlevés. Attends, j'arrive. Essayer, mais... Bah non, j'ai pas les clés, hein, c'est toi qui les as. Bah non. Moi je les ai pas, donc elles sont sur la voiture. T'as fait un petit U? Oui. Bah refais. Fais voir, j'essaye. Attends, fais voir, j'essaye si ça se trouve. C'est moi la tienne, elle a démarré direct. Ouais, je sais. C'est j'ai arrêté de pointer du doigt comme un connard là aussi. T'es sûr que t'as pas les clés? Bah, je comprends pas. Bah, du coup, j'ai jamais eu les clés, je crois. Super. Bon, eh ben, on va chercher une autre. Attends, parce que là, il m'a amené. Il y a pas un vendeur de véhicules normaux? Autre que de service? Bah si. Mais où? Je sais pas. J'ai, je crois. Donc la tienne elle démarre plus. Oh putain. Bon, on y va, la pièce à côté. Je suis en caisse. Vas-y, j'y vais. Putain, lui elle marche. Mais les clés, c'est bien. Le truc de clé. Mais il y a quelques débugs à faire. Mais c'est normal. Salaud! Enculé! Putain. Ah, un connard. Connard! Tu fais changer de véhicule, t'as vu ou pas? Ah oui, attends. Bref, prends pas la même que la mienne. Changer de véhicule. Mais putain, il est con. Allez, vas-y, je me casse. Ah merde. Eh ouais, t'as pris la mienne. Je vais prendre celle-là, vas-y, va prendre celle-là, vas-y. Ça bug un peu. Là, j'ai cliqué. Faut attendre, quoi. Tant que ça arrive. Y a un peu de délai, quoi. C'est la plus chère, ça. On a d'autres. Sport.
Shafter V12, et Panthère Sultan. Ouais, c'est la Sultan, ouais, c'est un classique la Sultan. Par bugué. Enfin, c'est que moi les menus, faudra que je vois avec les autres gars qui jouent, voir si, si c'est que moi. La radio par contre, ça. Et lui là derrière, ou... il est encore dedans. Ouais, qui t'a repris ta voiture de flic? Ouais, mais je vais aller la changer là. Ah bah, vas-y. Je prends la Buffalo. Attends. Mettez l'itinéraire. Bon, les streams en 30 FPS, j'avoue que c'est un peu relou. Oh, ça tourne pas. Ouais, si, j'allais dire, on a l'impression qu'on a moins de... d'impression de physique GTA 4, mais si, 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 en fait, si. J'ai pas mis ma ceinture. Il s'est tortillé derrière, alors ça, il s'est rattrapé. Putain, si là j'ai les clés cette fois. Est-ce qu'il y a genre, il y a un vendeur de voitures de prestige? EDM Hardware Store. Qu'on avait, faudrait qu'on aille essayer des trucs. Hein. C'est quoi ça? Hunting Zone. Tu vois, c'est une dinguerie, mec. Il y a ce pilote trop facile. Fait qu'il y a que deux vues, j'ai pas l'habitude. Je conduis avec, toujours avec la caméra la plus loin. Hein? Ah bah attends, mais ma voiture, mais... Eh, je sais pas ce qui s'est passé, elle a... Le frein à main, il a tiré d'un coup, comme ça. Sans rien que je fasse, le frein à main a bloqué. Bizarre. Ouais. Ouais, jamais je le sème avec avec sa Buffalo. Il joue pas au con. Oh, il s'est mangé un peu quand même. Je l'ai pas pris. Non, je suis au parking, je suis parking, monsieur, rien à voir. Vous confondez, il s'est échappé. Il s'est échappé, monsieur. Vous avez payé parking? Oui, j'ai payé parking. Combien il coûte le parking ici? 10,50€. Et voilà, t'as pas payé le parking. Je peux pas le semer, y'a aucun fun genre. Aïe. Aïe. Sa voiture, la Buffalo, elle est comme... Lui là monsieur, poursuivez-le. Ceci est la police, arrêtez-vous. C'est la police. C'est la police, arrêtez-vous. Jamais. Si, arrêtez-vous. Non, jamais, je suis libre, moi, je reste libre. On va vous attraper. Vous mettez en danger les citoyens, arrêtez! Aïe, mais. Mais qu'il est con! Il y avait une promotion sur le Camacho, on pouvait pas la rater! Arrêtez-vous, monsieur, arrêtez-vous! C'est moi qui conduis! Ah!
Ah, allez, j'ai pas échappé, vous, monsieur. Ça va? Vous savez pourquoi je vous arrête? Excès de beauté. Exactement. C'est méchant, monsieur. Non, c'est pour un excès de beauté. Ah, ça va bien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je vous dois un dollar, attendez, bougez pas. Bon, en fait, c'est... Ah si, attendez, ah non, bah... En fait, comme si vous les avez eus. Tenez, je vous donne un dollar. Ah merci, c'est bien gentil. Eh, hey, monte sur le tram. Et bam. Champion du monde. Bonjour monsieur, je souhaiterais monter. Le pauvre, allez, attends, je monte sur la voiture et je monte sur lui. Allez, c'est parti. Salut les gars. Ils sont arrêtés où? Ils sont... Là, il y a un pawn shop aussi, il y a c'est le Mosley Discount. Ça va être les voitures d'occasion. Je vous rattrape, vas-y fonce! Je vais chercher une voiture, hein, qu'est-ce que tu veux? Il y a moyen de faire un. Je sais pas comment ça fonctionne sur GTA. Ça vient pas du serveur, ça. Mais si je bloque un. Si je bloque un métro trop longtemps. Wesh! Pourquoi y'a une civique là? Moi je veux ça. On peut pas acheter ça? Le halt il marche pas? Ah si. Si. Interaction véhicule. Ah là y'a plein de trucs. Sport classique. Y'a quoi un sport classique? Dynasty. Ah, c'est vrai, c'est vraiment des vieilles voitures. Ok, tout terrain, on a quoi en tout terrain? Oh, ça a délagué. Oh, le menu il est fluide. Ah, oh, ça va vite. Rio 300, c'est quoi ça? Oh! Elle pète, hein? Y'a de 500 là. Ah, je peux plus bouger. Ah, ça rebug. Donc il y a une raison où à un moment ça fait débugger, mais je sais pas pourquoi. Ça coûte super cher ça. On va prendre ça, je pense, c'est tout le plus cher. Moi je veux ça. Acheter ce véhicule. Bep. Et mal bolide. Là, c'est du véhicule de course. C'est bon. Ça va vite. Ouais. Oui, ça a l'air, oui. Ce que je me demandais, c'est que tu vois, je sais pas si t'as compris, genre, il y a un peu un magasin, tu vois, de voitures classiques, pas un magasin de voitures de sport, là c'est un magasin de voitures du bled. Mm-hmm. Et il doit y avoir un magasin de voitures de prestige à un endroit. Mm-hmm. Mais où qu'il est? Ah, faut regarder. Je pense que t'as Benefactor Luxury. C'est exactement ce que j'allais dire, mec. Viens, on y va. Allez. Je vais pas très vite. Hein. Là, je suis à pleine balle. Hein. Aïe. Ça va être trop long avec ta caisse. Oui, bah, je suis à fond. Bon, je t'attends là-bas. Hein. Oh, le sub de Skelly. Quand on va le Mexicain. Attends. Regarde. Chicanos. Yasui Perez. Eh, vas-y, fonce. ça va. Bah, c'est hier à mon anif, c'est parti en couille. Enfin, on a fait des piles ou faces pour se raser la barbe. Et j'ai perdu, Corentin a perdu, Clément a perdu.
Du coup, on s'est rasé la barbe. Voilà. Donc voilà ma tête. Voilà quoi. Mais ça va repousser, hein, c'est pas grave, hein, c'est qu'une barbe. C'est qu'une barbe. Moi je vais pas tourner, je vais garder ma vitesse. Et merci pour le sub en tout cas. Ça régale. Là on teste un peu le serveur. C'est vraiment non RP, tu vois. Genre on fait pas de RP là, c'est juste pour tester un peu la conduite des véhicules. On teste beaucoup là depuis tout à l'heure. Il y a plein de trucs qu'on devrait tester, mais on est un peu con. Oh oui, c'est là. C'est là les véhicules de luxe. Oh, c'est là. Oh, c'est ça que je veux. Oh là là, la beauté. Teste un peu, mais tu vois, j'ai un problème. Je sais pas si ça va que de chez moi. Parce que j'ai l'impression que lui, Révi, ça va grave vite. Donc peut-être c'est chez moi. Mais normalement, il y a un bouton Alt pour interagir avec les trucs. Tu vois, un peu à la Cyberpunk ou à la Star Citizen, un truc comme ça. Et moi, il est full lagué. Il est full lagué, tu vois, là. Hop, ça y est, ça va enfin d'apparaître. Je clique. Tu vois, je dois attendre. On va faire genre comme si. Je vais dire quand je clique et tu vas voir le temps que ça met. Genre, clique. Voilà. Clique. Et tout à l'heure, ça a débugué, ça allait super vite, ça marchait super bien, mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on prend? Je connais pas les nouvelles voitures, moi. De GTA, les dernières. Italie GTO. C'est quoi Italie GTO? On va essayer ça. Hein. Ouais. Non, on va pas essayer ça en fait. Hey, il vient de passer Révi. Ah oui. C'est un sacré prototype. Y'a quoi? Parce que peut-être vu que c'est le magasin de luxe, peut-être qu'il y a des muscle cars un peu plus luxe. Parce que dans l'autre magasin, il n'y avait pas des muscle cars trop Hermès. C'est un peu la classe. Pour faire une course poursuite, je suis pas sûr. Ouais, bon, on va essayer de trouver une super au pire. Corsita, ça me plaît comme nom. Allez, on va essayer la Corsita, tu sais quoi. On va pas passer 8 ans à acheter une voiture, acheter ce véhicule. Oh, la musique. Ah, ça m'a coûté super cher, j'ai plus un thune. Il est passé où Révi? Eh oui, mais j'ai perdu Révi. Je crois que les magasins à billes pour l'instant fonctionnent pas. Il faisait la dame tout à l'heure, je crois. Ça c'est quoi? Barbeur. Ouais, j'ai pas besoin d'une barbe pour l'instant. Termination. Airshop, c'est quoi le airshop? On peut acheter des avions? Là, il y a une zone de chasse, je comprends, c'est quoi? Hôpital. Ah. Allez. Hop. Salut les collègues. Vas-y, marche un peu là. Là, je suis prêt. En train de tester du coup les armes et le fait de tirer dans les jambes, tu vois. Donc là, vu qu'il a tiré dans les jambes, il peut pas marcher comme il faut. Voilà, voilà. Très bien, voyons voir. Là, c'était le moyen fessier, ça fait mal. Vu qu'il a tiré dans les jambes, il peut pas marcher comme il faut en fait. Ouais, dès qu'il court, il se casse la gueule. Vous voulez essayer aussi? Ah bah, je. Non, mais moi, non, mais. Ah! Ça pique, hein. Je voulais tirer, pas me faire tirer dessus! Ah oui, non, mais là vous l'avez calmé définitivement. C'est quoi son petit nom déjà lui? Jeff? Ah bah je sais pas. Hop. Je lui tire dans la jambe, c'est un peu frais. Ah oui, il se relève tout seul, c'est nickel. T'inquiétez pas, chef. Eh, vous m'avez tellement bien formé que. Ah, nickel. Oh, bah alors, tiens, je vais le former lui. Un petit slash riva et vous fera du bien. Mais par contre, vous avez vu, c'est drôle. Hein. Ah, je vous rends votre flingue. Hein. Merci. Vous avez vu avec ça. Ah, c'est bluffant. Ah ouais. C'est fini de courir. C'est moi, je suis trop vieux pour courir. Vous avez vu, chef, j'ai réussi dans la vie, j'ai acheté une belle voiture. Ah! Ouais, d'ailleurs, elle est passée ou celle que je vous ai laissée? Alors, la celle de sport? Non, la Vigero. J'ai laissé un peu de sang sur la voiture. Comment dire? Avant, j'ai voulu mettre l'essence. Et la station et essence, vous avez laissé le pistolet à la. D'accord, okay, non, d'accord. La station essence a pas voulu que je mette l'essence, tout a explosé, j'étais avec un collègue. Hé! Hey. Ah. Hey,
Collègue, tu peux demander les clés. Cette formation, c'est une formation, je me forme. Une formation quoi? Si tu veux, il y a un magasin d'automobile plus haut. Ah non, mais moi j'ai ma voiture de fonction, elle est déjà là-bas. Hein. Ah oui. Ça me fait de belles jambes. Alors ça va, vous commencez à prendre vos habitudes? Ah ouais, j'adore la conduite, là, c'est un plaisir. Ouais. Vivement qu'on ait nos uniformes. Hein. Exactement, ça c'est bien dit ça. Est-ce qu'il y a des choses à me dire que vous avez trouvé ça bizarre? Les bras. La gestion des bras, oui, la gestion des bras. En fait, quand on change le numéro, ça revient. Putain, quand tu reprends ta voix, Wakiza, c'est. Ouais, et du coup, ça change rien. J'aimerais bien l'entendre. Ça, hein. ça fait 4 fois que je change les bras en fait. Alors, c'est normal parce que tous les bras ne sont pas encore mis. Oh, chef, quand vous prenez votre vrai bras aussi. En général, gérer les bras là. Alors, attends. C'est dans quoi? Dans F1, c'est ça que tu vas? Ouais, F1, général, gérer bras. En fait, quand j'ai beau faire valider par exemple, numéro 6 pour avoir un truc correct, ça prend pas en compte. Alors, attends, je regarde. Alors, c'est ça parce que t'as des manches, je pense, non? Parce que regarde, ouais, ça marche. Peut-être. Hein. Bah, en fait, ça va marcher, mais tu montes dans ta caisse, tu vas ressortir. Ah, tu montes dans ta caisse. Et moi, ça change tout le temps. Enfin, je sais pas si ça vous fait pareil pour vous, mais. Non, mais moi, j'ai pas essayé. 15 fois que je le change. Moi, j'ai pas mal de problèmes sur tous les menus. Genre, vraiment, il faut que. Tout il lag à mort, quoi. J'arrive pas à les quitter, j'arrive pas à les afficher. Je suis toujours Rayman, moi. Ouais, bah oui. Ah, oui, je confirme. Bon, bah, ça ne fait que. Moi, je sens rien. Non, mais je pense que c'est parce que t'as des manches longues, non? Peut-être, okay. Peut-être ça? Peut-être aussi, ouais, peut-être. Je me remets mes bras. Mais du coup, ouais, sinon, bah, super sympa pour l'instant, tout ce que j'ai vu. À part la voiture, vous êtes des torsionnaires au niveau de la conduite. Bah, j'adore. Moi. Oui. Oui, parce que. T'as testé la Crusader? Ouais, j'ai testé un peu tout. La Buffalo S, par contre, faut faire quelque chose parce qu'elle est. Ah, mais elle est trop facile à conduire. Ah, j'ai pas essayé le freinage. Mais j'ai essayé une Vigero, c'est. Des muscles, c'est un régal. Muscle, ouais, les muscles, les freins à main, j'aime trop. Ouais, par contre, la Buffalo S, vraiment, bah, c'est un karting, quoi. Elle va où elle veut. Elle a beaucoup moins l'effet, je trouve. GTA 4 que les autres. Ouais, après, voilà. C'est, bah, elle est là, tiens. Ça, faut le remonter, n'hésitez pas. Ouais, et après, moi, non, le seul souci que j'ai, tous les menus, tu vois, tout à l'heure, tu me disais d'enlever la tablette, tout ça, je galérais, mais tous les menus sont laggy à mort. Je sais pas, c'est que moi ou. Chez toi? Ouais, ouais. Moi j'ai aucun lag sur les menus perso. Ouais, c'est ça. À un moment ça a délagué, ah, c'était hein. Bien fluide et ce que j'ai compris il y a un peu que moi. Je sais pourquoi ça peut être laggy, mais dans ce cas c'est 5M et il faut que tu coches un truc que j'en avais parlé une fois. On regardera ensemble, d'accord? Ouais, on regardera après si tu veux. Pas de soucis. Voilà. Quoi d'autre? La gestion inventaire, tout ça, ça vous convient? C'est honnête? Ouais, ça va. Moi ça a l'air cool, mais vu que c'est laggy, c'est chiant. ouais, mais du coup, toi, mais je te montrerai tout à l'heure sur le replay du stream, sinon tu verras un peu ce que. T'as un stream aussi? Ouais. Ok. Ça a l'air bien. C'est prometteur, comme on dit. Il y a moyen de faire des choses, vraiment. Et puis les courses poursuites, ça va être quelque chose avec cette physique. Oui, vous avez des lags en ville ou pas, vous? Sur des freezes ou des pertes d'optimisation, etc. Non, alors, j'ai pas. Pour la première fois, là, j'ai pas mis NVE du coup, mais non, j'ai rien, aucun souci, aucun lag, aucun. Ah, moi, pareil, c'était clair, c'était plus de mon côté aussi. Faut voir après. Parce qu'on a essayé de faire avoir que vous ayez le Rismond le plus bas possible. Ouais, c'est quoi le problème? La Buffalo, elle est abusée. Oui, mais c'est ce que je disais juste avant. Ouais, mais alors ça, voilà, typiquement, si vous trouvez qu'il y a des trucs un peu étranges, vous avez le bouton report. Ouais, vous mettez, lui du serve. Vous prenez un screenshot, le truc qui vous paraît bizarre. Chef de la police pour l'instant, c'est. N'hésitez pas à le faire remonter, d'accord? Yes. De toute façon, moi, je passerai en vocal, je pense, après. Yes, mais de toute façon, le but là, c'est que vous testiez les mécaniques, que vous voyez des choses, voilà. C'est ça. C'est le but, là. Y a moyen de tester du coup un peu le gun Sûr. Après, il y a aussi un peu les collisions de véhicules. Enfin, tout à l'heure avec Révi, j'ai pite un mec, c'était là Révi. Hein. C'était toi. La voiture, elle a pas bronché quoi. Alors, je t'explique. Bon, après, tout ça peut être lui aussi. Je vous explique à tous, comme ça, moi, vous le savez. Pour les flingues, première chose, quand vous l'avez sur vous, vous le mettez dans une des mains primaires ou secondaires. Ensuite, en fonction, vous le sortez avec le petit 1 ou le petit 2. Ok? Voilà, comme il fait là. Maintenant, ton arme normalement n'est pas chargée. Donc, tu dois retourner dans l'inventaire et utiliser les balles. Clic droit, utiliser les balles. Et bah, c'est marrant parce que là, mes menus sont plus du tout laggy. Ah. Ah, suffisait que je dise ça. Je trouve que c'est quelque chose pour les menus. Hein. Donc, maintenant que tu as rechargé ton arme, tu vas te mettre devant le mur. Je te conseille de mettre un coup de roulette pour bien avoir le viseur dans l'axe. Ouais. Alors normalement, je crois qu'il vous avait dit tout à l'heure que vous avez toutes les stats à moitié, donc tu verras pas vraiment les stats au point. Ouais, bien sûr.
Mais tu peux aller tester ça sur un mur, vas-y. Ouais, et puis incroyable aussi ce que vous montrez là, t'as le tir dans les jambes qui fait boiter et tout, ça c'est génial. Ouais, ouais, parce que bah, comme on vous a dit, hein, les scripts vont faire recul, les règles, donc les gens qui veulent pas jouer leur pain, ils vont être obligés là. Aïe. Vas-y, essaye. Essaye de courir. Ah. C'est génial ça. Et gros, mais même marcher. Ah oui, bah après. Et si genre, ouais, imaginons. Tu vas voir ton sang qui va se vider et voilà. Ouais, tout à l'heure, moi j'ai eu mon sang qui se vidait. Est-ce qu'il y a d'autres. Sachant que t'es flic, si t'avais une lampe torche, le sang, t'aurais pu le récupérer au sol. Ah, intéressant. Ah, il faut la lampe torche pour récupérer l'épreuve du coup. Faut... C'est la lampe torche. Alors non, il faut la lampe torche pour les voir, l'épreuve. Il faut un sachet pour les récupérer. Ok, ça, on les aura après dans le PDP, j'imagine. Tu veux que je t'achève ouais, ça sera au PDP. C'est partie des items que vous aurez au PDP. Sinon, franchement, tout est propre. Faudra aller. Ouais, je sais que oui. Pardon, excuse-moi, je suis en même temps, je réponds. Ouais, on a vu au niveau du labo là. Du... Comment on fait ça déjà le télépa, au labo, ouais, voilà, on peut analyser tous les trucs là. Il y a plusieurs trucs là-bas à tester. Salut, Spofo, bienvenue sur le stream. Des questions, des trucs peut-être à revoir. Mmh. Vous êtes allé acheter des trucs dans les 24-7 un peu? Ouais, ça marche bien. Moi, j'ai acheté beaucoup de voitures. Ouais. Alors, nous avons. Enfin, de ce que j'ai entendu, il y en a certains qui trouvent que les menus transparents c'est un peu illisible. Ouais, ça oui. Ça dépend par moment. Ça dépend où ça s'affiche, mais en fait, où ça s'affiche. Sur les trucs un peu clairs, c'est difficile à lire, oui. Ok, donc ça, il faudra qu'on retouche, pas de soucis, c'est pas grand chose. Ouais, juste l'opacité. Ouais, voilà, juste augmenter un petit peu plus. C'est une histoire de confort. Vous avez tous bien eu accès, enfin, avec la touche I pour l'interface, pour changer la carte, tout ce genre de trucs. Ça, je me souviens. Je sais même pas, putain. Vous appuyez sur I, vous avez tout qui est possible pour gérer votre interface et y compris changer la forme de votre interface. Ah bah ouais, si on veut, on peut avoir un truc vraiment vite quoi. Mmh. Là, vous le faites comme vous voulez en fait. De la tu sais, tout à l'heure, t'avais plus accès à ta bouffe et tout, mais en fait, dans I, tu peux tout mettre toujours affiché. C'est I. Oh, ouais. C'est bizarre. J'entends pas les deux du front là. Ouais, alors ça, c'est bizarre que toi, tu n'entends pas les deux du front. Ouais, pourtant, moi, je crie, hein. Je suis en cri. Moi. Mais. Ah, les deux, on est en cri, attends, les deux, on est en cri et il nous entend pas. Non, moi, je suis en cri. Moi, je t'entends, toi. Ah, ok. Bon, bah, c'est pas ça du coup. Mais j'ai vu quand même quand tu tires, donc j'imagine pour d'autres choses aussi, t'as un petit hint qui apparaît à droite de l'écran, un petit ça, c'est pour la flèche vers le haut pour dire que tu... Ah ok. Et... Ah non, tu veux dire le truc que t'as tiré beaucoup là? Ouais, la petite flèche pour dire qu'en gros ton niveau ça s'améliore. C'est ça. Ah, c'est ça, bien, c'est bien ça. Il baisse pour autre chose du coup. Pour le moment, les fenêtres des véhicules, on peut pas les baisser. J'ai pas trouvé... Normalement, si tu fais F1 dans un véhicule, t'es censé pouvoir le faire, il me semble. Bah moi, je vois que siège et... Vérifier. Sinon, je sais que si t'as une clope, elle se baisse automatiquement. Si tu t'allumes une clope dans la bagnole, elle se baisse. Tu veux les clés, pas, moi... Allez-y, teste avec F1. Non, j'en ai pas besoin. Le menu F1, peut-être que vous avez ces options-là. T'es en chuchoté, je crois. J'ai porte et siège, en fait. Bah non, je suis en normal. Là, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, donc du coup, pour le moment, peut-être que... Bah, je sais pas trop, voir, ouais, c'est un peu au bon vouloir du truc. Je sais que si t'as le... La clope. Si t'as une clope et que tu l'allumes, ta clope, les fenêtres s'ouvriront. Ok. Et du coup... Parce qu'en fait, du coup... Vas-y. En fait, tout à l'heure, quand je venais dans des véhicules, les gens ont commencé à pas m'entendre. Ils m'ont dit baisser la vitre. Et du coup, bah, je peux pas la baisser. Et après, quand je suis ressorti, les gens m'entendaient pas non plus. Donc je sais pas, si vous avez peut-être un souci à ce niveau-là, c'est peut-être pour ça qu'il m'entend pas le monsieur derrière là. Peut-être faire un petit pipi et revenir, je sais pas. Ah, je sais pas. Faut voir. Du coup, est-ce que j'allais dire, il y a une hitbox sur les jambes, du coup, est-ce qu'il y en a une autre part ou... Enfin, par la tête forcément. Elle tire sur moi, tu verras. Non, mais genre, juste même si je tire sur le bras, il pourrait par exemple, oui. S'il va... Ok. Oui, normalement il est censé dire douleur au bras droit, douleur au bras gauche. Et là, du coup, par exemple, peut-être il a du mal à porter une arme, j'en sais rien. Il va te dire, normalement, il doit avoir un truc qui s'est affiché, non? Ouais, criblé de balles. Et votre bras gauche est très douloureux. Voilà. Ok. Donc ça, pourquoi on le laisse? Parce que bah, vous puissiez dire au médecin, voilà, ouais, je suis touché au bras gauche, quoi. Même s'ils le verront. Hein. D'ailleurs, vous êtes flic, vous. Ouais. Normalement, si vous faites, si je me souviens bien, on va tester sur River, tiens. F1, général... non, pas général du coup, merde. Ah mais c'est parce que j'ai pas pris mon service, pardon. Ouais, travail. Vous l'avez. Pas le service travail plus, et vous pouvez analyser la personne. Analyser la personne, police action ouais. Peut-être. Ouais, police action, analyser la santé, analyser la personne. Voilà. Et ça c'est la chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a fumé un joint, vous le sentirez. Ouais, okay. C'est trop cool. Vous le sentirez, c'est-à-dire que la personne, si elle n'a pas pris de douche ou elle s'est pas changée, elle puera la drogue. Okay. Par exemple. Vous pourrez voir qu'elle analyser sa la santé, vous pourrez voir qu'elle a pris des cours. Comment tu fouilles quelqu'un si tu pues dans le même moi menu, je pue mais c'est autre chose. Je te bite. Dans
le même menu normalement. Temps de travail, police action. Oh pardon. Ah, vu que j'ai pas fait je te termine. Non, c'est bon. Ah, vous êtes fouillé. Ah oui, mais en fait, du coup. T'as de la poudre à canon sur tes vêtements. Ah, j'ai de la poudre à canon sur mes vêtements. C'est, ah, oui. C'est bon, c'est un peu le bordel. Alors, sachez le menu à vous. Regardez. Vous mettez tous sur tab. Et vos menus à vous, en haut, il y a écrit vêtements, armes, inventaire. Vous pouvez tous les dégager pour avoir le truc clair quand vous fouillez quelqu'un. Oh, bah ça, on s'est dégagé, oui. Ah, bah, tu cliques dessus. Vous cliquez dessus. En haut, il y a écrit vêtements, armes, inventaire. Bon, du coup, le... Les menus qui lag, c'est chez moi. Hein. Le problème, c'est que ça garde pas l'emplacement. C'est chez moi les menus qui lag, les autres l'ont pas. Dis-moi, ça les a gardés. Ah, oh, ok, bah ça vient peut-être de chez moi. Oh putain, y'a de la bagarre. Mais du coup, ça c'est super. Ouais, c'est... en fait, quand t'es en service, faut penser à tout décocher avant de. Ouais, bah tu peux le faire sur le moment avant de track. Oui, c'est vrai. Tu décoches et puis tu fouilles la personne. Ça dure 30 secondes. C'est bien pensé du coup. Voilà. Putain, avance. Quoi d'autre? Allez-y, hein, si vous avez des choses à dire, des découvertes. Ah, vous avez fouillé les poubelles un peu, Non, mais ah, moi j'ai bien fouillé les poubelles. Hein. Là. Alors là, sans raison, je sais pas pourquoi, mais les menus, j'ai ouais, même sont. J'ai fait des crafts. Ah, mais fouillez. Quand, ça, c'est bien quand ça marche bien les menus. Démarre, salope. Non, on fait pas ça. Non, je vais refaire. Putain, mais je comprends rien, frère. Ouais, les clés, c'est bugué, je pense. Alors fouillez les poubelles. Je sais pas encore ce que je peux en faire, mais. Ah, des débris caoutchouc. Ah, ben ça. À découvrir dans ton RP. Ah, il y a un petit bouton à appuyer, d'accord. Ouais, j'ai pas vu le bouton. Voilà, il peut fouiller les poubelles, il faut appuyer au bon moment. Vous allez peut-être récupérer des choses. Tout ce qui est sur votre là-bas, là. Que vous allez récupérer, bah, ça et servira à faire des choses. Ah, vous avez déjà fouillé ici, d'accord, merde. Je reviens. Est-ce qu'on peut aller au stand de hot dog? Non, je voulais tester. Le demandeur, tu ne peux pas, mais oh, le timing est dur, hein. Oh putain. Ah, mais alors ça, le timing est pas évident. Ouais, le timing est pas évident, mais ça parce qu'on a peut-être pas les compétences pour aussi. Oui, c'est pour ça aussi, peut-être, ouais. Et au fur et à mesure, bah, tout ça se débloquera, etc. etc. Quoi. Alors, le timing s'est un peu amélioré déjà. C'est que moi ou on n'entend pas le son des armes? Non, c'est que toi. Ok, donc c'est que moi. Ça vient de chez toi, peut-être. C'est que moi, ouais. Ouais. Bon, ça va sur Metal, ça va, on sait pas encore. Tu auras 50 personnes. Mais c'est bien parti. Et puis tu vois, il y a plein de trucs. Il faudra faire quelque chose pour les clés aussi. Mais la conduite, c'est la conduite GTA 4. Je vais montrer une vidéo tout à l'heure. Tu sors de ton véhicule, des fois tu perds les clés. Non, elles sont sur le contact, faut les récupérer avant de partir. Et tu fais ça comment? Avec U. Ouais, mais tu peux dire où tu l'as prêt. Par exemple, tu vois, la Buffalo là-bas là. Je vais te montrer la Vigero, Coco. J'ai beau appuyer sur U, il me dit on est dans le véhicule. Ouais, il me dit on est dans la voiture. Et elle démarre pas. Je regarde. Attends, c'est un véhicule que t'as. Le truc est trop bien, ils ont réussi à modifier la conduite. Ouais. Non, ouais. Je l'ai acheté. Tu vas voir. Tu l'as acheté au PDM? Ouais. Non, pas au PDM. Dans. Si, PDM, si, c'est PDM, c'est PDM. C'est PDM. Non, pas au truc de flic. Au arrête de dire oui alors que c'est pas ça. Mais si, c'est ça, gros, c'est carrément ça. Mais non, on l'a acheté au concessionnaire de moto. Mais non, c'est oui, fou, c'est juste à côté. Si, allez, ça, c'est le service. Si, et toi, depuis que t'as une arme, t'es plus le même. Alors, soit ton arme, tu l'as du père, ou alors tu l'as foutu ailleurs. Tu l'as pas foutu dans la boîte à gants ou un truc comme ça, par hasard? Ah non, je pense pas. On vole ma caisse, quoi. Je reviens, moi, je vais montrer vite fait la conduite au stream. Vas-y. Ils veulent voir une Vigero. Au pire, si tu peux me faire spawn une Vigero, sinon je vais aller en acheter une. Tu veux une Vigero ou autre chose? Chose, c'est pas mal ça. Ouais, putain, comment elle s'appelle? Ah, j'ai mangé son nom, c'est pas grave. C'est une tulipe sinon? Ouais, une Vigero, je vais essayer celle-là. Celle-là, tu vas pleurer. Hein. Vas-y, on va essayer ça. Les clés sont dessus ou tu me. Je te les donne. Vas-y. Ça a l'air d'être revenu là, les menus, donc faudra quand même qu'on regarde tout à l'heure, mais. On verra. Tu les as là, c'est bon? Normalement, ouais. Ouais, je les ai. Putain, j'ai 50 clés sur moi du coup avec ces conneries. Alors oui, c'est pour ça, là on est en mode test, donc du coup vous allez avoir un peu. J'en ai qu'une seule, mais. Ouais. C'est quoi comme clé que t'as? J'arrive pas à monter dedans. Tu veux que je te donne? C'est quoi la clé que t'as? Non, dis-moi juste. Je te donne ça. Merde. Dis-moi juste c'est quoi la clé. Ouais, j'arrive pas à voir la voiture. Police Cruiser, c'est ça que t'as? À mon avis, t'as pas la bonne clé. Je check, hein. Allez, vas-y. Non, puis tu arrives pas du coup. J'arrive pas à voir la voiture du tout, moi, celle-là. Et moi, en appuyant sur U.
Tiens, je te donne les clés, essaye de l'ouvrir toi. Oula. Non, t'as vu, il te passait en passager. Après, peut-être que tu peux passer du passager au. Non, elle s'ouvre même pas. Ah, putain, bah, ça s'ouvre même pas tout à l'heure. Par contre, comment on passe du passager au. Ah, bah, je suis là. Bon, bah voilà. C'est bon, j'ai réussi à monter. Non, t'arrives à l'allumer, ouais. Attends, attends parce que du coup, c'est lui qui a les clés. J'arrivais pas à monter en conducteur. Mais pourquoi. Mets-lui dans la boîte à gants, comme ça, il arrive. Ah, monsieur, prenez pas de photo. Nickel, merci. Je crois qu'il a un problème. Monsieur Labelle, il a essayé de vous aller à la caisse, mais il peut pas tourner. Tu les as pas mis dans la boîte à gants. Attends, j'arrive. T'as, bon, je vais les chercher. Bah, je les ai pas dans la boîte à gants. Ah ouais non. Mais c'est lui qui les a, c'est lui qui les a, c'est moi. Ah d'accord. Question d'habitude. Parce que les clés du coup... Vas-y, vas-y. Si t'enlèves pas les clés de la voiture, genre, si t'appuies pas sur U, donc pour retirer les clés, comme tu retires les clés de ta voiture dans la vraie vie, les voitures restent sur le contact. Les clés restent sur le contact, merci. Et donc là, il les a mis dans la boîte à gants, donc on l'a récupéré. Je crois que tu vas monter avec toi, de toute façon, moi je peux rien faire, donc... Bon là ça lag. Je vais montrer, c'est pour montrer à Coco la conduite. Mais qui à Coco? Ouais. Ouais mais le c'est comme d'hab c'est buggé. Le véhicule était allumé, les phares, le moteur tournait. Effectivement il y avait les clés dessus et je suis rentré dedans. Allez. Non mais sur celui-là. Non mais y a pas de soucis sur celui-là. C'était un autre. Bon quand ça marche quoi. Oula oula oula. Bon je vais faire comme d'hab, je vais chercher les clés, y a que ça qui marche. Donc je dirais que oui. Y'a qu'en cherchant les clés que j'arrive à la démarrer quand c'est buggy. Donc bon, ça sera réglé après, j'imagine. Non, mais tout à l'heure, en fait, ce que j'essayais de te dire, c'est que tout à l'heure j'avais un véhicule de police d'un joueur qui était allumé avec les clés dedans et quand je vais chercher la tremblote, mon perso les a pas trouvé. Alors que... Ouais, c'est pour voler, contact. Mais faut déjà pouvoir rentrer dans la voiture quoi. D'accord. Ah, ok. J'ai pas réussi. Alors vous arrivez ou pas? Non. Allô. Attendez, sortez. Ah. Elle a allumé là. Elle vient de démarrer. Ok, super. C'est parce que vous étiez pas loin, chef. Ok, ça va être ça, ouais. Ouais, on va tester ça. Bah allez-y, roulez, hein. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai pas mis la ceinture. Bien vu. Je la trouve presque moins lourde que la Vigero. Je trouve qu'elle balance plutôt bien, on dirait. J'ai pas l'impression qu'elle ait modifié la conduite. Je vais essayer de racheter une Vigero pour voir. Tu veux acheter une voiture? Ouais, bah oui. Vas-y, vas-y. Ça. Ouais, la marche arrière par contre. Mais du coup, mais attends, celle-là, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment. Je vais sortir une Vigero. Oh, tu vois, les menus ils sont laggy. Allez, muscle. J'espère qu'il y a des Vigero ici. Je passe. Ah putain, y a pas de Vigero dans ce magasin. On peut essayer ça aussi. Hein. Oh. J'ai pris autre chose. Quel enfer. Elle est belle ceci dit. Ouais. C'est une électrique, oh merde. C'est mieux la conduite, c'est mieux, ça dépend de tes goûts. Moi j'adore la conduite GTA 4, alors forcément j'aime bien. Mais ouais, la conduite des véhicules, après peut-être, j'ai rien que c'est con, mais peut-être qu'en 2 heures déjà je me suis habitué, tu vois. Mais la conduite, moi j'adore la conduite comme ça, tu vois. Le truc glisse mieux. Ouais, ouais, vraiment. Tu sais, tu peux pas prendre les virages comme dans GTA 5 à fond, tu vois. Là je tourne à fond. Hein.
Et en fait, il y a un système dans le jeu, dans le serveur. Tu vois, là, je freine à fond aussi, pareil, elle freine pas beaucoup. Ouais, j'en étais sûr. Il y a un système dans le jeu aussi, en fait, je peux pas te le montrer là. Mais t'as des barres de compétences, en gros. Et ben je trouve que la Vigero est c'est plus flagrant niveau conduite que ouais franchement et je voulais prendre Vigero au magasin du coup et il y était pas donc du coup j'ai pris ça. Faut aller au magasin de muscle car. Ouais ouais je suis allé chez Simeon et je pensais qu'il y était non. Ouais non de toute façon t'as tout qui est marqué sur ta map. Ouais c'est ça mais bon j'ai fait au plus vite. Ça me permet de tester l'électrique un peu. Bon ben vas-y teste. Ouais c'est sympa. Et remontez-le hein, si vous avez des soucis. Hein. Ouais pas de soucis. Mais tu vois du coup c'était quoi? C'est la Vamos que tu m'as fait essayer. Là c'était la Vamos ouais. Ouais tu vois, je trouve que la Vigero c'est plus flagrant la conduite modifiée que sur la Vigero. La Vamos pardon. Je pourrais te donner c'est une Tulip que tu voulais? Tulip je sais qu'elle a des grosses suspensions donc Attends je te la sors. La Tulip est cool à conduire. Franchement elle est sympa. Que tu me sortes si t'as 2 secondes une Phoenix. Yes, attends, juste, essaye de rentrer là, je te donne pas les clés, essaye de voir si tu peux la conduire. T'as laissé les clés dessus du coup je... Non, normalement j'ai pas laissé les clés dessus, normalement je l'avais sur moi. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Non, non. Okay. Vas-y, ressort. Je sais pas combien on est. Allumé, je vais pas checker. On est pas mal, un test, d'accord. Vas-y. Ok, là c'est allumé, prends ma place, j'ai laissé les clés sur le contact. Ça, c'est l'impaleur l'autre. Ah. Refais U. Okay. Ouais, elle démarre pas. Et c'est là où ça déconne du coup. Ça, c'est là que ça déconne. Ouais. Des fois, U démarre pas forcément la voiture, même si t'as les clés. Ah ouais. Ça me dit bien c'est que j'ai, ça me dit bien que j'ai c'est les clés. 190 hein. Z. Je te la sors après. Ouais, ça me dit bien que j'ai les clés, mais comme tout à l'heure, tu vois, j'étais obligé de faire semblant de les voler. Okay. Et... Vas-y, ressort, je vais essayer de récupérer les clés. J'ai essayé dessus normalement donc. C'était quoi ma caisse sur Revis sur Nebula? T'as un buggy aussi. Alors pour moi j'ai plus les clés. T'as regardé dans tes poches? Ah, mais c'est la... ah merde ça me les a donné, attends. Mais du coup on rentre dedans avec les clés. Ouais. Ouais c'est la Cheetah. C'est ça. La blanche. Donc là je fais U. Ouais, c'est magnifique, ouais. Ouais t'es sympa ouais. Non. Non. Donc toi pour laisser les clés là t'as juste sorti normal. J'en ai eu beaucoup donc... Moi j'ai pas les clés sur moi ouais. Là, non mais comme tu les as laissés dessus. Ah ouais je suis juste sorti normal. Donc là pareil. Et là je les ai plus ouais. Ok, re-rentre. Attends, elle est allumée là. Vu comme ça. Vas-y, re-rentre. Pars. Il y a un truc qui est bizarre. Allez, essaye de les récupérer. Attends, je fais spawn pour River. Il est oui. Bon, après, c'est dur à définir sur 4 heures de jeu, mais oui. Non. Je te fais le pec. Incroyable. On va voir si ça a fait le même bug. Une carine. Là tu vérifies bien que t'as les clés. Oui d'accord ok. Là je les ai sur moi. Tu les as sur toi. Et ferme la bagnole, rouvre là. C'est toi qui as les clés normalement. Ok, rebours. Donc t'as toujours les clés sur toi, on est bon. Démarre. Ouais, il y a l'air d'avoir un petit souci. Ouais. Ah bah si, j'ai le bug. Hein. Tu veux que je tente un... Ah c'est pas avec moi, ok. J'allais dire, tu veux que je... Bah là c'est démarré. Putain mais... Ah. Et voilà, je me pose la question, est-ce que c'est parce que je l'ai fait pop, peut-être? Elle démarre quand je sors en fait. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que ce serait pas un lag? Attends, je vais attendre un peu, voir si... Moi je me demande si c'est pas plutôt le fait que je l'ai fait que je l'ai fait pop de manière admin en fait. Ouais, j'ai le même problème. Ouais, attendez. On va aller au concessionnaire, d'accord? Yes. Tout en voiture. Au conseil, j'ai pas eu le souci. Hein. Ah, celle-là, j'ai pas de soucis, celle que j'achète au concesse. Bonjour, monsieur le bus. Bon, tu vois, il y a quelques bugs, mais ça, c'est bah, on est là justement pour tester, pour les résoudre. Et c'est la Impaler que je veux tester. La carte aussi est modifiée, du coup, comme ça. Donc, c'est peut-être la carte de base, je sais plus, mais il y a le nom des rues, tout ça. C'est pas la carte. Non, c'est pas la carte GTA de base, c'est pas la carte noir et blanc, tu vois. Ou je sais plus quelle couleur moi. Non franchement il y a plein de trucs, on en parlera après sinon si tu veux. Mais
Il y a plein de petits scripts. Genre, moi, en fait, mon perso, tu vois, dans mon background, mon perso, en gros, j'ai laissé un clip d'ailleurs, ok. Mon perso, genre, dans mon background, il est myope. Et donc, il y a un truc dans mon background, en mode, si mon perso dans le jeu, il perd ses lunettes, et ben mon jeu, il devient flou. Tu vois, ils vont faire un script, et juste pour moi, tu vois, en gros, bon, qui pourront mettre à d'autres. Et si je fais tomber mes lunettes dans une bagarre ou quoi, je vais attaquer à voir flou. Et y a plein de trucs, tu vois, genre, tu vois, quand je compte. Je vous suis. Ah bah non, y a plus de place. Non, mais je vous suis. Et y a. Pareil, y a plein de trucs. Quand je conduis à fond, tu vois, ça marque que vous êtes stressé, tu vois. Et le petit icône en bas à gauche de cerveau, il se remplit. J'imagine que quand il se remplit à balle, quand t'es stressé, tu fais des erreurs ou tu. Je sais pas, tu vois flou. Je sais pas comment ça se passe. Tout à l'heure, t'as même vu, tu vois, quand on tire dans les jambes, du coup, tu peux plus courir, ton perso il se casse la gueule, tout ça. Bah là, ça se. Eh bah, dis donc, chef! Là, tu la vois, la conduite de la voiture de flic, celle-là, là. Tu vois qu'elle a des suspensions de fou et elle tourne pas bien. La marche arrière, elle a du mal à passer aussi. Je sais pas si c'est un truc genre. Non, là ça va. Si ça règle le souci. Allez, faites-vous plaisir, les gars. Et je vais essayer de suivre sur le tel. Ouais, t'inquiète. Là, du coup, la voiture que j'ai pris, elle reste. On va prendre la shafter V12 à l'ancienne. Par monsieur le V12. Enfin, monsieur le V12, Mr. B-Boy. D'accord. À la pub. Allez, rapporte-moi des thunes. Salut. Ça batte. Circuler là, circuler, dégager. Aïe, aïe. Ouais, il y a vraiment de quoi s'amuser. Bon, là, c'est, tu vois, c'est vraiment test. Hein. On a de l'argent, pas à l'infini, mais on a pas d'argent, on peut faire les comptes. Mais wesh. Ouais, ça va exploser, bouge les voitures. Faut que je bouge l'autre, elle coûte plus cher. Celle-là, elle coûte plus cher, moi je sauve celle-là. Peut-être je peux en sauver une autre. Ah, j'ai pas les clés? Si, j'avais pas démarré. Elle est belle la shafter quand même. Ça fait que du contrebande police toi d'ailleurs, du coup? Ouais, c'est ça. Ça explose pas. Hein. Non, mais ça a pris feu donc je sais pas. Il est passé où le chef? Ah, mais il est à l'intérieur avec les gens, attends, je vais aller voir. Yes. Oh ouais, j'ai mis les messages déjà, mais. On n'a pas réussi à se mettre des vêtements. Je vais faire demain, oui, après j'ai fini Minecraft. Okay. Du whisky. Par contre, j'ai réussi à acheter du whisky. Ça, ah, pas de problème. J'essaie de retrouver la commande pour me faire les armes. Je l'avais tout à l'heure.
Mais comment c'est vrai que vous n'arrivez pas à avoir des flingues alors que moi j'ai réussi? Alors toi les filles c'est normal, il y a un problème sur les filles, hein, ça je sais. Ah. Oui bah... Mais... vite dans le mur quoi. Bah nous deux non, ça c'est les flingues bah, de départ quoi. En fait on crache dès qu'on achète les flingues, dès qu'on a pu se racheter ça nous fait crash tous les trois. C'est vrai. C'est vrai que t'es toujours un pote. Au bingo à côté du commissariat. Ouais. Et les flingues que vous aviez en arrivant, moi ils ont disparu de... Mais Léo on a regardé 5 minutes sur live. Ça va. T'as de santé en fait. Attends. Toi, il y a marqué état de santé, trace de coups de poing. C'est comme il expliquait, c'est pour faire le RP médical, tu vois. Et tu vois, tout à l'heure, bah. Genre, tu vois, si j'ai une jambe cassée ou quoi, l'EMS. Au lieu de dire, tu sais, d'habitude, il faut toujours genre imaginer en mode j'ai mal là, tu vois, c'est à peu près, tu dis des conneries. Et bah là, l'EMS, il pourra savoir ce que t'as, tu vois. Donc, s'il me tire dans la jambe, pareil, je peux pas courir. S'il me tire dans le bras, je peux pas. J'ai du mal à porter des armes, tout ça. Non, il y a moyen de faire des trucs. Et attends, je m'éloigne un peu le temps de t'expliquer. Parce que déjà, il n'y a que deux vues aussi. Si j'imagine, c'est pour l'immersion. Il n'y a que la vue comme ça et que la vue rapprochée. T'as pas les vues éloignées, c'est comme d'hab. Aussi, ouais, ce que je t'expliquais, c'est qu'il y a un système de compétences. Donc en gros, plus tu vas faire de tirs, plus ton perso va être chaud en tir. Et moins il y aura de recul sur tes armes. Là, vu que, genre, là on est au niveau moyen, tu vois, je tire avec un pistol, je tire dans le carrelage ici. Tu vois mon recul quand il est monté, mais ça me dit, vous vous sentez plus à l'aise avec votre arme. Bon, ça m'a aussi dit que je stressais, tu vois. Oui, ça évite que les gens, ouais, que les gens trichent aussi, donc pour le pain. Ensuite, pareil pour la conduite. Plus tu conduis, plus tu vas être à l'aise pour conduire le véhicule, moins ton perso va être stressé et mieux tu vas conduire. Je sais pas comment encore ça se voit, mais j'imagine que ça tournera un peu mieux, ça freinera un peu mieux, etc. Que des trucs comme ça, tu vois. Et ça, tu le vois quand tu... Bah, quand t'as dû faire ton background, t'as dû voir, tu sais, t'avais des trucs à... Des glissières, là. En mode, si t'es fort dans l'eau, si t'es fort des trucs comme ça. Et du coup, ça te monte tes compétences, en gros, ça te les baisse, etc, etc. Et en fonction, ouais, ton perso va prendre des compétences en fonction de ce qu'il fait, tu vois. Moi, mon perso aussi, il a un truc, tu vois, dans le background où s'il fume pas assez, tu vois, parce qu'il c'est un gros fumeur, genre, en mode, si... Merde, j'ai fait un altab. S'il fume pas assez, genre, il se sent pas bien, tu vois. Etc, tu peux vraiment... Gueule, vendre des clubs briquets. Type de paiement, espèce ou carte, ça, d'accord. Montant 1. Vraiment, il y a plein de trucs. Tu passes à la base que je choisis, après tu peux l'améliorer. Exactement. Alors, par contre, toujours dans le principe que améliorer un truc en fait baisser un autre. Tu vois. Donc tu peux pas avoir de perso ultra cheaté, de la mort qui tue, en mode moi ça fait 50 ans que je suis sur le serveur, du coup je vais faire 50 000 trucs. Tu vois. Il y a plusieurs clopes, ok. Ça je m'en fous un peu. Briquet Zippo, essence à Zippo. Ah d'accord, j'aurais pu acheter un Zippo. On va acheter des Redwood. On va payer en carte. Je sais pas comment je la fume après la clope. Briquet, paquet de redoute classique. Peu fumé, j'ai bouche à chemin. Ah, pourquoi ça a fermé mon... Ça avait fermé mon jeu, ok. Alors, E fumé. Bon, j'ai le gun. Attends, est-ce que je peux ramasser le gun et garder ma clope? Ouais, c'est bon, c'est pas buggy. Donc, E. Ok, donc si je fais E, il fume. Est-ce que je peux rester appuyé? Est-ce que je peux rester appuyé sur E ou pas? Non, ok, fais juste un petit, juste la petite anime. J'ai bouche. Ok, G il la met à la bouche. Il est. Et H il la reprend dans sa main. Bon, sur G, moi j'ai la touche pour lever les bras aussi, je crois que c'est pour ça qu'il a levé les bras tout à l'heure. Merde. T'inquiète. Je suis en train de tester la clope en fait, toi tu peux la mettre à ta bouche ou tu peux vraiment la remettre dans ta main. Hop là, je l'ai de nouveau à la main, tu vois. T'as plus comment pour l'allumer? Dans l'inventaire, clic droit utiliser. Ah, il faut que t'aies un Zippo. Ouais, j'ai un briquet. Et eux pour fumer. J'essaie d'avoir des trucs intéressants dans les poubelles, moi, depuis tout à l'heure, mais. j'ai même pas essayé. Ah, donc du coup, quand on fume, vous vous relaxez. Ça nous relaxe. Ouais, l'alcool aussi. Ouais, l'alcool aussi. Mais j'imagine qu'il y a d'autres effets néfastes derrière après. Hein. Ouais, normalement, t'es censé. À force, t'es censé être addict. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, moi, mon perso est déjà addict. Mais ça, on verra plus tard. Fouille la poubelle, il y a un timing.
Ok, j'ai eu le timing. Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai 4 canettes, une poupée que j'ai transformée en débris de caoutchouc. J'avais un sandwich, d'une poubelle, tu le veux? Non, c'est bon, je sais pas ce qu'on peut en faire ça. Juste on le mange. Ce qui est bien aussi, c'est que dans certains trucs, l'anime de clope, tu sais, elle fait que tu peux plus bouger. Là, tu peux toujours bouger avec ta clope. Ouais, du coup, je sais pas si tu savais, mais quand tu chopes un truc, reste 19, il est sale et donc tu peux le nettoyer avec une bouteille d'eau. Ah, ok, non, je savais pas du tout. C'est en gros dans l'inventaire, merde, j'aurais dû t'en laisser un. Attends, il y a des poubelles. Oh, t'inquiète. Avec un peu de chance. Bah, en gros, dans l'inventaire, tu déplaces la bouteille d'eau en direction de l'inventaire sale et ça le transforme. C'est comme un craft. Ok, intéressant. J'ai la touche pour le mettre à la bouche qui est sur le lever les bras, faut que je change ça. Intéressant, ça. Vas-y, je vais retourner au concessionnaire s'ils sont tous là-bas encore. Yep, pareil. Non, franchement, ouais, c'est poussé de fou, hein. Et comme discuter un peu avec un des admins, c'est que en fait, c'est des scripts, on pense qu'ils sont grave durs à faire. Il nous a dit non, en fait, c'est ultra facile. Alors, vraiment, c'est vraiment pas compliqué, tu vois. Le stream en 30 fps, par contre, je suis vraiment désolé. J'avais oublié que je stream en 30 fps la dernière fois. Donc, c'est en 30 fps. Et le serveur tourne bien, je suis à 60. Oh merde, c'est pas du tout là le concess. Mais ça se trouve, c'est juste mon OBS hein, qui montre que c'est en 30. Hein. Sauf si je regarde mon stream, je suis en 60. Hein. Si je regarde. Bon, mon OBS me fait un rendu moins bien histoire de pas bouffer les perfs. Pas checker mon stream. Voilà, dans 15 minutes, le serveur il ferme. Il va falloir passage en mode créateur. Je m'en fous, je vais juste voir mon stream. Regardez. La config de OBS de stream, bah, au pire je passerai sur OBS, je pensais que c'était grave plus dur que ça OBS. Eh salaud, ah, le taser par contre ça crève les roues, ça c'est salaud. Ouais, fallait que j'essaye. T'as vu les clopes ou pas? Non. Attends, je vais te montrer. Tu vois les clopes, du coup, bon, il faut acheter un briquet, tu vois, un paquet de clopes. Oui. Mais une fois que tu l'as, t'as des touches, tu vois. Alors en gros, si je veux mettre la clope à ma bouche, j'appuie sur G. Bon, là, il lève les bras parce que j'ai pas la même touche. Et tu vois, je peux la mettre à ma bouche si je veux. Mm-hmm. Et si je veux la remettre à ma main, hop, F. Si j'ai envie de la fumer, hop. Et quand j'ai envie de l'acheter, j'appuie et hop, j'ai acheté ma clope, tu vois. Donc tu peux vraiment, si t'as envie de cette là, faire un peu mec avec sa clope à la bouche, tu peux. Le script, je le connais, il est sur pas mal de serveurs maintenant. Ouais, bah ok, on est content pour toi. Yo les gars. Yo. Qui c'est? C'est lui. Non, c'est lui. C'est le coupable. Non, tu serais mort moi si j'avais tiré. Balance. Aïe. Allez, monte, on se casse. Mais mort aux vaches. Oh putain, j'avais les clés pendant 2 secondes. Eh ouais, 2 secondes c'est tout. What? Aïe. Allez hop. Maintenant je suis blessé, il va plus vouloir marcher normal. Vas-y quoi ? Je me tirais dans le cul. Allez, je te termine si tu veux. Mais c'est bon, je peux me soigner tout seul. Hein. Ah. Je les ai pas trouvés. Ah. Je suis frustré, j'ai pas trouvé les clés. Tu veux les chercher toi ? Non, c'est bon. Ah merci. Vas-y, bouge là, t'arrives à marcher. Ouais, c'est bon. Ouais, tu me diras demain, t'inquiète.
pas trop pourquoi. Quoi? Je sais toujours pas frapper. C'est quoi la touche? Alors, appuie sur G une fois. H si c'est proposé. Je viens de rappuyer. Ouais, frappe moi. Non. Hey Vince, non. Tu peux me donner les clés? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Oui. T'es ma dernière balle, j'arrête. T'es tombé quoi. Salut Coco, ciao ciao, à demain. Bah arrête, je peux plus frapper, t'es pas drôle. Ah oui, les PNJ, c'est vrai. Je sais pas si t'es encore là, mais y a un truc avec les PNJ. Ah putain, le salaud. Genre, si t'es un mec qui est respecté dans les gangs ou etc, tu vois, y a les PNJ bah, de gang, ils vont avoir des discussions qu'ils auront pas si t'es un mec lambda. T'aimes ça lécher le sol, hein. Ta gueule, ta gueule. C'est lui qui prend, tu cours, je peux rien te faire. Trop fast, trop fast. Mais j'ai plus de balles. Bah bon, on a déjà la ridicule. Piou 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 piou. Piou piou piou. Ouais. Hop là. Tu savais combien j'en ai. T'as fort ? Je peux te demander un truc. Attends, laisse-moi tester un truc. Ah bah rien. Attends, fais gaffe, 2 secondes. Ouais. Non, ça marche pas. Les PNJ. Hey madame, on s'arrête. Putain, mais. Et tu tiens dans le pare-brise aussi. Ah ouais, non, même pas. Ouais. Même sur elle, ça. Ça... Quoi, tu voulais tester? Ah oui, va sur mon stream et dis-moi si t'entends le son du jeu, s'il te plaît. Tu veux. C'est gentil, merci. Je crois qu'on l'entend pas depuis le début. Si si on l'entend. Ah on entend. Ok, merci. Ah bah tu m'as cramé un pneu toi, c'est vrai. Je t'ai même pas tiré dessus lui. Ah si, tu m'as tiré sur le pneu tout à l'heure. Ah bon? Bah ouais. Je l'ai fait sur toutes les caisses normalement donc. Putain. Ah ouais putain, tu l'as fait sur ça. Mais... Au pire on va voir quand ça va péter. De toute façon, il reste quoi? Il reste 10 minutes? 5 minutes? Un truc comme ça, ouais. Et ça tourne pas. Il suffisait de demander. De quoi? Ah, le pneu. Pourquoi il a éclaté chez toi? Bah oui. Ah, chez moi, il a encore crevé, mais il a pas éclaté. Il faut pas voir ça. Non, bon, il est à plat, mais... C'est bizarre. Il est toujours là. C'est bizarre. Oui, on est parti loin. Carrément. Vas-y, prends si tu veux. Mais non, mais attends, les clés. Attends, je te mets les clés dans la boîte à gants. Attends, j'essaye. Non, moi j'ai pas enlevé les clés du coup. Hein. Bah, pour moi c'est. Bah, pourtant je les ai pas. Là, elles sont tombées sur la route avec moi. Hein. Non, t'as mis la vitesse à la fort si. Si je monte moi. Voir si je peux te filer les clés. Je pense que les clés elles ont dû s'envoler quelque part. Hein. Bon bah tant pis. Ouais, on est à patte. On va s'arrêter là. Petit bisou en plein milieu de l'autoroute. C'est ça, petit béco là. C'est une voiture qui arrive un peu fort là. Ça va aller, monsieur, je vais vous soigner. Ah. Ah, je suis inconscient. Zoubi, hein. Aïe!
Allez, tu me verras vu. Bon allez, ça fera pour ce moment. On a bien test en vrai. Il y a, merde. Il y a grave du potentiel de fou. Il y a des trucs à corriger forcément. Il y a des bugs. Mais en vrai, il y a grave du potentiel de fou. Aïe, je viens de me taper la jambe comme un connard. C'est bien cool, c'est bien cool. On va discuter avec le gros Révi là. Il est où? Ah, il est sourdine encore. On va pas discuter avec le gros Révi. Non, en vrai, c'est bien cool. C'est bien cool. Faut voir après en situation vraiment RP, parce que là, on n'a pas du tout RP. On était vraiment juste en test. Moi, je pensais que ça allait être un peu plus RP le test, mais au final, non. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Peut-être que je vire le logo Angel of Death là, là-bas. Parce que du coup, on sera pas Angel of Death sur ce RP. Mais. Non, c'est coolos. Hein. C'est coolos. Après, bah, comme tout serveur qui attaque, comme tout début de serveur, etc., il y a des trucs à corriger. Mais tranquillou, c'est normal. Est-ce que je peux rediriger Est-ce que je peux faire ça? Je peux vous ramener là. Hop, on y va. Hein. Il y a personne, mais on y va. Allez, un spectateur avec moi. Ah, merde. Attendez. J'ai loupé. Je sais pas me servir de Twitch. Est-ce que vous êtes prêts? Un spectateur en raid. C'est moi. Je suis le spectateur et on va en raid. Youhou. On est un. Merde. Ah merde, je sais même pas son stream, je peux pas voir sa réaction. Il reste 3 minutes de test. Je vais juste aller voir si je croise d'autres gens qui ont besoin d'aide. Putain, elle est inconduisible, ce qui est incroyable. Merci beaucoup, Lat. Personne là, ok. Bon allez. Plus le stream.